Bonjour Patrick Buisson. Bonjour. Merci de nous accorder cet entretien chez Livre Noir et merci à nos fidèles auditeurs que je suis heureux de retrouver pour cette nouvelle saison. Alors, Patrick Buisson, vous avez été conseiller de Nicolas Sarkozy, directeur de la chaîne Histoire, analyste d'opinion, mais vous êtes également aujourd'hui un intellectuel et un historien un politologue reconnu euh, qui avait publié des ouvrages à succès tels que La cause du peuple, euh, que nous connaissons bien, La fin d'un monde pour lequel nous vous avions reçu chez Livre Noir il y a un peu plus d'un an, et aujourd'hui un ouvrage passionnant, « Décadence », du nom d'une chanson de Serge Gainsbourg. Alors dans ce livre, vous nous expliquez pourquoi, selon vous, tout s'est joué dans les années 70, avec la révolution sexuelle et féministe. Alors conformément justement à la tradition de cette émission, j'aimerais commencer par une citation d'Aldour Huxley, dans « Retour au meilleur des mondes », que vous exhumez dans vos écrits, au fur et à mesure que la liberté politique et économique diminue, la liberté sexuelle a tendance à s'accroître à titre de compensation. Et le dictateur sera bien avisé d'encourager cette liberté. S'ajoutant au droit de rêver sous l'influence de la drogue, elle contribuera à réconcilier les sujets avec la certitude qui est leur sort. Pourquoi avoir choisi d'utiliser cette citation Parce qu'elle représente exactement le, la grande transition, le grand basculement anthropologique auquel on a assisté durant cette période qui couvre 1960 à 1975, j'essaye et j'ai essayé à travers ces ouvrages de déconstruire la déconstruction. J'aurais pu et je l'ai utilisé d'ailleurs dans ce livre. Euh, vous parler de la citation de Soljenitsine qui me paraît aussi résumer tout l'hypersexualisme. La pornographie permet de faire tenir tranquille les peuples. C'est mieux que les Miradors, disait Solzhenitsyn, puisque c'est une forme de conditionnement qui les détourne finalement de l'essentiel. Alors, déconstruire la déconstruction, c'est-à-dire essayer de comprendre en quoi a consisté ce grand basculement. On est devant un projet qui n'a pas été forcément concerté entre tous les acteurs, mais converge vers le même objectif en finir avec la vieille civilisation chrétienne passer de ce monde d'avant à ce qu'on appelle aujourd'hui la modernité, avec euh, deux transformations majeures. On évacue le sacré, le sacré en France s'exprime à travers la religion catholique et les pratiques de la religion catholique, c'est l'objet de la fin d'un monde, et après eh bien, on essaye de mettre en place ce qu'on appelle l'homo economicus, l'homme de la consommation, l'homme qui existe parce qu'il consomme. Et bientôt, l'homo eroticus, qui est finalement une autre forme de consommation, celle de la, la consommation des corps. Et en fait, ce faisant, on réduit les hommes et les femmes à ce qu'ils ont de plus impersonnel. La sexualité, rien n'est plus impersonnel. Les figures de l'amour sont bien connues depuis des millénaires. Ce sont les mêmes, elles ne changent pas. La consommation, eh bien voilà. À travers la consommation, euh, nous sommes réduits à ce que nous achetons et consommons, que ce soit de la marchandise. Que ce soit des corps, le corps de, de, du partenaire ou de la partenaire, euh, ou, ou que ce soit la sexualité, qui est une forme de consommation, euh, qui va donner lieu d'ailleurs euh, à une marchandisation. Et on s'apercevra très vite que l'injonction euh, libertaire de mai 68, vous savez, sur les murs de Nanterre ou, ou de la Sorbonne, jouir sans entrave, s'accompagnait logiquement d'une sommation à payer, c'est-à-dire transformer la sexualité en une marchandise objet d'un commerce. On en parlera peut-être tout à l'heure. Voilà les, 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 les grandes mutations qui s'esquissent lors de cette période avec ce projet central, la privatisation des corps. Jusque dans les années 60, 62, la fin de la guerre d'Algérie est une bonne césure, un bon marqueur. L'État... Où les grands appareils idéologiques ont la capacité de se saisir des corps des personnes. Pour les hommes, c'est la conscription, ce qu'on appelait l'impôt du sang. L'État a le droit de mobiliser les jeunes hommes, de leur mettre un uniforme et de les envoyer au service militaire de l'époque. C'était la guerre d'Algérie, ça a duré quand même huit ans. Euh, des millions d'appels qui, euh, pour les, euh, certains, ont fait jusqu'à trois années sous les, sous les drapeaux. 62, les accords déviants, c'est la dernière guerre extérieure de la France. Donc on, on change de monde. Là. On passe dans une autre perspective. Et pour la première fois, progressivement, l'État va relâcher son emprise sur les individus, avec une durée de service militaire de moins en moins longue pour aboutir. À la suppression du service militaire et de la conscription par Jacques Chirac euh, 30 ans plus tard. La privatisation du corps des femmes, c'est aussi l'autre grand événement, le pendant de l'impôt du sang qui était demandé euh, aux hommes et qui fondait finalement leur prérogative dans la société. Hein, le patriarcat euh, s'enracinait dans ce sacrifice suprême qui était demandé aux hommes par rapport aux femmes. Eh bien, un phénomène concomitant, parallèle, va se développer en ce qui concerne le corps des femmes, avec les lois sur la contraception, la loi Neuwirth en 1967, la deuxième loi sur la contraception, moins connue, mais qui est celle de Simone Veil au mois de décembre 1974, puis le vote en janvier 1975 de la loi autorisant, légalisant l'avortement publiquement rebaptisé, euh, interruption volontaire de grossesse. Le professeur euh, Lejeune, le grand généticien qui a découvert euh, euh, la trisomie, et, dont le procès en béatification est instruit en ce moment à Rome, disait à propos de euh, l'IVG qu'il fallait entendre interruption de vie gênante. Voilà, avec ces grandes lois sur la contraception et sur l'avortement, euh, la sexualité se désocialise. L'État ne s'y intéresse plus, alors que c'était, il faut bien comprendre ça, un des grands enjeux politiques du siècle qui venait de s'écouler. La transition démographique en France, elle a commencé il y a bien longtemps, dès le XVIIIe siècle. On est un pays où, dont le taux de fécondité, le taux de natalité, est l'un des plus bas d'Europe. L'un des plus bas. Et cette faiblesse démographique. Euh, déstabilise politiquement la France face par exemple euh, à un pays comme l'Allemagne plus peuplé. Euh, l'obsession des politiques, quelle que soit leur sensibilité. Il ne faut pas oublier que les grandes lois qui répriment l'avortement, qui interdisent la propagande euh, en faveur de la contraception, sont des lois votées par la Troisième République. Elles ont le soutien éthique, moral de l'Église, mais ce sont plutôt des politiciens de gauche, radicaux, qui adoptent ces lois, les font adopter par euh, l'Assemblée nationale, parce que la démographie est un enjeu qu'ont parfaitement théorisé les hommes du 19e siècle. Auguste Comte, euh, euh, le fondateur de la pensée positiviste, dit que la démographie, c'est le destin, c'est le destin des peuples. Euh, un pays qui a une faible démographie est à... Pays qui perd de son instinct vital, c'est de la biopolitique, et les esprits sont très conditionnés par cela. Donc, la faculté qu'avait l'État de faire de la démographie un enjeu politique central commence à être remise en cause à partir des années 60, et on va aboutir justement à ce phénomène qui est la légalisation. Et la publicité autour des moyens contraceptifs modernes, que sont la pilule, contra contraception hormonale, et le stérilet. Alors, il faut bien voir euh, euh, ce que ça représente. C'est une rupture dans, dans, dans le, le, le continuum politique de, de, depuis un siècle. L'État se désintéresse de la question de la natalité pour la première fois. Ce qui est d'ailleurs très symptomatique, c'est de voir que durant cette période, Jusque dans les années 60, on accouchait à domicile. La sage-femme venait à domicile aider euh, la mère à accoucher. À partir des années 60, basculement, on va de plus en plus accoucher à l'hôpital. 90% aujourd'hui des naissances se font à l'hôpital. Donc l'État médicalise l'acte d'accouchement, introduit un contrôle social sur l'accouchement, au moment même, c'est ça le grand paradoxe, où il se désintéresse de l'enjeu où la démographie, la natalité ne devient plus un enjeu politique majeur. C'est l'un des paradoxes de la période. Plus de contrôle social sur l'acte, moins d'intérêt sur l'enjeu politique qu'est la natalité et la démographie. Donc, il y a ce mouvement puissant qui fait que la sexualité se... La modification qui intervient à l'époque fait que la fonction érotique est dissociée de la fonction reproductrice. Avec les, On en parlera peut-être tout à l'heure avec les impacts que cela a sur euh, la fécondité des femmes euh, à partir des années 70-75. Donc, désocialisation de la sexualité. C'est vrai, est ce qui est passionnant aussi dans, dans votre ouvrage, d'ailleurs, que je précise à nos auditeurs, qui est vraiment euh, qui est sourcé. Vous allez chercher énormément de, des débats à l'époque euh, au Parlement. Vous allez aussi vous puiser dans la culture populaire. Vous allez un peu déterrer des, 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 des magazines, des journaux, etc. Donc C'est très intéressant et c'est finalement assez facile à lire, d'ailleurs. Et ce que vous expliquez, c'est qu'il euh, y avait une certaine... Il y avait une cause féministe qui essayait de pousser ses avancées et que, finalement, ça s'est retourné contre eux. Et par exemple... Sur la pilule, vous dites que ce ne fut pas l'abolition des privilèges des mâles, qu'ont voté à cette époque les législateurs, mais bien la consolidation de ces mêmes privilèges. Pourquoi Alors, c'est assez simple à comprendre, là, là, cette période qui est l'objet de ces deux livres, La fin d'un monde et des cadences, c'est la période du triomphe de l'individualisme hédoniste, de l'individuation. J'interprète ça autrement et ça me paraît effectivement la bonne lecture, sinon je ne l'aurais pas adoptée. C'est la période de l'appropriation du droit par le moi. L'usage du droit jusqu'à présent dans notre histoire, c'était de défendre la société contre les empiétements des individus. Les lois sur la contraception de Neuwirth et de Veil, ou la loi Veil sur l'avortement, inversent ce rapport. Désormais, c'est ce qu'on va appeler l'état de droit, mais l'état de droit renvoie à une conception du droit radicalement opposée. Le droit devient l'arme des individus contre la société. Le droit reconnaît aux individus un certain nombre de droits-créances, euh, la plupart du temps impossibles à, à, à faire respecter ou à accomplir, mais euh, la loi a une fonction normative. Donc euh, la loi va changer les esprits. Individualisme, individuation, l'appropriation du droit par le moi. Le mouvement féministe là-dedans demande quoi ben, Il demande le second du MLF, le mouvement de libération féminine qui naît dans les années 70, c'est mon corps m'appartient. On est dans la privation du corps. L'État n'a pas à se mêler de la sphère privée, l'État doit être en dehors de la sphère privée. La revendication à la contraception, à l'avortement libre et gratuit, c'est, avec l'espèce euh, espèce de désacralisation du corps, la volonté d'être propriétaire de son corps. Et donc le fait d'engendrer, de, euh, d'avoir des enfants, c'est une des manifestations de, la, de cette liberté euh, qui est au cœur de la revendication féministe. L'Assemblée nationale qui va voter ces projets, une Assemblée de droite, euh, la loi Neuert est votée sous le général de Gaulle. La loi Veil est votée sous l'élection, sous le mandat de Valérie Giscard d'Estaing. C'est intéressant parce qu'on voit que ce n'est pas que Giscard d'Estaing qui a tout fait, parce que c'est souvent ce qu'on entend communément. Et vous, vous allez vraiment puiser de, 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 des préparatifs qui viennent déjà des 67 et oui. 68. Mais euh, il y a une accélération sur Giscard, absolument incontestable, parce qu'il a ciblé deux clientèles électorales, que sont les, les femmes et les jeunes. Et la loi Neuwirth est un accident dans l'histoire du gaullisme. De Gaulle, au départ, est hostile. Euh, c'est son épouse, euh, celle qu'on appelait affectueusement Tante Yvonne, qui va finalement lui dire Mais la contraception, c'est peut-être le moyen d'éviter le crime absolu qu'est l'avortement. De Gaulle laissera faire tout en manifestant sa distance et son esprit critique, et d'ailleurs. Et d'ailleurs, la majorité qui vote cette loi en décembre 1967 a tellement mauvaise conscience. Entre-temps vont éclater les événements de mai 68 et la dissolution de la Chambre qui va faire revenir en masse une Chambre de droite, une Assemblée de droite. Euh, ils ont tellement mauvaise conscience à propos de la loi Neuville qu'ils vont mettre 4 ans, presque 5 d'ailleurs, pour faire paraître les décrets d'application. Ils se rendent compte qu'ils ont, ont fait un choix qui va. À l'encontre de leur clientèle électorale, et que cette loi de Virt a été adoptée non pas au cours d'un scrutin officiel, mais d'un scrutin à main levée. Ce qui, ne, évidemment, ne permet pas de savoir qui a voté pour, qui a voté contre. Et donc, euh, à partir du moment où certains députés se sont dit, bah, puisque de toute façon, dans ma circonscription, ça ne sera pas, je n'aurai pas de retour de bâton de la part, par exemple, de l'électorat catholique qui pourrait, qui pourrait m'en vouloir. Bon, alors, on vote ces lois, et. Euh, j'ai qualifié la loi Neuwirth et la loi Veille de droit de cuissage permanent. Pourquoi D'abord, si vous le permettez, il faut bien comprendre, essayer de resituer les choses. Ces lois, elles ont un objectif. On regarde l'histoire avec le recul de 50 ans, ou presque maintenant bientôt 60, pour la loi Neuwirth et 50 ans, bien dans deux ans, pour la loi, loi Veille. Quel était l'objectif qu'elles poursuivaient En 67, la loi neuvirte en rendant possible la publicité autour de la contraception chimique autour de la pilule donc à un objectif faire reculer l'avortement. Bon. La réalité très vite on va s'apercevoir que la contraception ne fait pas reculer l'avortement et que les filles sous contraceptifs sont les meilleures clientes de l'IVG. En fait, ce ne sont pas deux options alternatives, avortement ou contraception, mais des options complémentaires. La contraception est en fait l'avant-propos de l'avortement, qui lui sera le service après-vente de la contraception. Donc, loi Neuwirth, échec. Loi Veille, décembre 1974, échec. La contraception ne fait pas reculer l'avortement. Quant à la loi Veille, elle se proposait. Là aussi, de réduire le nombre des avortements, et elle avait dans son article 2 comme projet de légaliser l'avortement comme un ultime recours pour les situations de détresse. Or, 50 ans après, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit s'accomplir la prophétie de Jean Foyer, qui fut le garde des Sceaux du général de Gaulle, qui est monté à la tribune pour dire à Simone Veil Madame, cette loi sur l'avortement, que vous avez conçu pour les situations de détresse. Vous ne serez pas capable de la contenir. Ce sera bientôt l'avortement de convenance et sans limite. C'est exactement ce qui s'est passé. La contraception, l'avortement pardon, est devenu un moyen contraceptif comme un autre, le plus facile, le plus rapide, celui qui ne demande aucune discipline. La pilule il faut être observante, il faut respecter une certaine discipline. L'avortement, c'est la contraception la plus la plus simple. Donc vous voyez ces deux lois qui se fixaient des objectifs très clairs ont échoué. Jamais on a assisté à un... Enfin si, par... dans d'autres cas, mais là, c'est vraiment le cas d'un fiasco des politiques publiques. L'échec est patent. Et pourtant, jamais ces lois n'ont été autant louangées. D'autant plus que... On... Pardonnez-moi, mais souvent on a l'impression qu'effectivement la pilule ou la contraception est arrivée à ce moment-là. Alors que déjà au 19e siècle, avant, etc., en France, on avait une pratique de, 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 de la contraception qui était assez popularisée. Bah, euh, évidemment, euh, c'est ce que raconte Philippe Arias, le grand historien des, des mentalités, que j'ai eu le, le privilège de, de connaître. Euh, on a l'impression, lorsque le débat s'ouvre, que la contraception n'existe pas. On a l'impression que les femmes vivent dans euh, l'angoisse de euh, la grossesse et qu'elles n'ont pas le moyen de, de réguler ou, ou de contrôler les naissances. Ariès rappelle que nous étions du fait de la transition démographique le pays qui avait le taux de fécondité et de natalité le, le, le plus bas d'Europe. Les techniques contraceptives, euh, le, le coït interrompu, les tranches réservées, les préservatifs qui existaient déjà bientôt, et puis à partir des années 25. Entre les méthodes dites naturelles, préconisées par l'Église, la méthode de Gino, puis la méthode des températures, toutes ces techniques étaient à disposition des femmes. Mais elles n'ont pas entendu le législateur pour avoir des partenaires, pour avoir des relations sexuelles avec ce partenaire, sans qu'il y ait obligatoirement euh, euh, fécondation de, euh, de la femme. Mais bon, on a décidé dans l'agenda politique que cette question était une question fondamentale. Et je n'ai pas perdu de, de, de vue le, le, le fil de votre question sur le féminisme. Il faut bien comprendre comment les choses se sont passées. À partir des années... 50, milieu des années 50, mais surtout 60, l'après-guerre, c'est la, le baby-boom, euh, la période où il y a le plus de mères au foyer, c'est le statut de, de beaucoup de mères, surtout d'ailleurs dans les milieux populaires, ouvriers, euh, où on est très soucieux d'élever les enfants et où les maris font de, du fait que leurs femmes ne travaillent pas un élément de standing. Et les femmes qui ont travaillé en milieu ouvrier elles gardent le souvenir de leur mère. Euh, c'est un véritable esclavage et elles considèrent comme une libération le fait de ne pas travailler, contrairement au milieu bourgeois. Bien, dans les années 50-60, premier virage des des dirigeants politiques, notamment sous euh, la présidence du conseil de Pierre Mendès-France, ça a duré à peine, à peine un an, mais un certain nombre de mesures ont été prises qui marquaient bien le virage qui était en train de se produire. En fait, on est en pleine croissance avec des taux de croissance de 5-6% du, du, du PIB et le marché, le capitalisme a besoin de manœuvres mendes, les euh, technocrates qui préparent le troisième plan, puis après le plan armand-rueff euh, en 1958, euh, accrédite l'idée qu'il y a nécessité de recourir, recourir pardon, à une main-d'œuvre féminine pour permettre de soutenir et prolonger la croissance. donc, l'idée euh, de faire en sorte qu'il y ait un plus grand nombre de femmes sur le marché du travail pour mettre à disposition des entrepreneurs une manœuvre peu qualifiée et donc généralement sous-payée, bien, cette idée commence à faire son chemin. La structure économique qui est la nôtre, celle du capitalisme, veut donc, à la différence de l'ancienne société, des femmes salariées et donc acheteuses, disposant d'un pouvoir d'achat. Autonome par rapport au marais. Ah, c'est le grand projet. Le travail féminin devient le projet existentiel alternatif à la maternité. Le travail féminin a toujours existé. On travaillait dans le cadre de l'entreprise familiale, que ce soit l'exploitation agricole, que ce soit l'artisanat, que ce soit le commerce. Ce qui va progresser très fortement durant ces années-là, c'est le salariat féminin. Et clairement, le féminisme va faire le choix. Elles préfèrent l'asservissement au patronat que ce qu'elles appellent la soumission au patriarcat, c'est-à-dire à -dire la femme euh, qui s'occupe de son foyer et élève ses enfants euh, euh, dans, le cadre, dans le cadre familial. Il y a une convergence d'intérêts manifeste dès le début entre le capitalisme, le marché, qui, veut de, euh, qui a besoin de manœuvres et qui veut une manœuvre au bon marché, ce qu'on a appelé l'armée de réserve du capitalisme, c'est la première. Viendra ensuite une deuxième armée de réserve qui sont les immigrés, à partir des années 60. Donc le capitalisme a besoin de cette main-d'œuvre. Les féministes, les intérêts des, des féministes convergent parfaitement dans la mesure où elles considèrent, c'est Simone de Beauvoir qui a théorisé tout ça, que euh, la maternité, est le principal obstacle à l'inégalité, à l'égalité entre les hommes et les, et les femmes, et notamment euh, à un handicap dans les carrières professionnelles des femmes, euh, qui les contraignent à s'arrêter, euh, à essayer de reprendre le, leur carrière. Donc, pour les féministes, euh, on verra par la suite qu'il s'agit pas de contrôle de naissance, en fait. Il y a, pour la plupart d'entre elles, une Détestation du destin biologique de la femme, c'est-à-dire de euh, sa condition naturelle qui lui permet d'enfanter. Euh, mais elle voit tout le parti qu'elles peuvent tirer de l'évolution économique. Et d'une certaine manière, le féminisme va être l'idiot utile du capitalisme. Il va développer euh, cette, euh, et théoriser euh, le fait que la femme doit avoir un autre destin que la maternité. Et ce destin, c'est le travail. Encore une fois, le travail féminin existait dans le cadre de, des structures de production de, euh, de la société antérieure. Non, là, c'est différent, c'est le salariat, c'est-à-dire une forme d'exploitation, pour bien le dire, euh, euh, avec les mots qui, qui le conviennent. D'ailleurs, on verra des, des choses absolument surprenantes. Gisèle Halimi, grande bourgeoise, euh, avocate, accumulant les, les causes d'extrême gauche et, et, et les honoraires avec la le, dans les procédures de divorce avec la bourgeoisie, euh, venir expliquer dans lui magazine Liberté, on va dire ça comme ça, fondé par Daniel Filipacchi, le créateur de Salut les copains, eh bien que euh, oui, les femmes des milieux ouvriers doivent travailler parce que c'est là effectivement le travail salarié féminin est le moins important. Parce que comme ça, elles prendront conscience de la double nature de l'exploitation. Exploitation par le mari qui les fait travailler gratuitement à domicile et exploitation par le patron, toujours d'ailleurs une figure masculine de l'exploitation. Et, et vivant cette double exploitation, eh bien, ça fera sans en, aucun doute euh, évoluer les mentalités et fournira... Une, une, des troupes pour l'action euh, euh, subversive, révolutionnaire. En tout cas, le féminisme se présente euh, comme tel. C'est très intéressant d'ailleurs de voir comment euh, le féminisme essaie de développer ses thèses à partir d'une vision complètement biaisée de la société française. Dans les années 60, il y a une... Une chercheuse du CNRS, féministe, qui publie un livre qui s'appelle L'ennemi principal, aux éditions Maspero, qui était la maison d'édition d'extrême gauche. Elle lui explique que la femme est exploitée dans le cadre de la famille, puisqu'elle fait un travail gratuit, euh, non rémunéré. Et donc, il y a une exploitation maritale à l'égard euh, de la femme. Alors, ça, c'est la vision, effectivement, qu'en ont les classes bourgeoises. Parce que depuis euh, euh, ai l'origine, euh, s'agissant du salariat, dans les milieux ouvriers, ça ne se passe pas du tout comme ça. Euh, ce qui prévaut dans les milieux ouvriers, c'est ce qu'on appelle le matriarcat budgétaire. Là, le gars travaille, et à la fin de la semaine, parce qu'on payait à la fin de chaque semaine, ou à la fin du mois après, il apporte sa paye à son épouse. Voilà, il la lui remet. Ben, et l'épouse lui rétrocède une partie d'argent pour euh, s'acheter du tabac, ce euh, qu'il a envie de faire, ses loisirs, etc. Ouais, matriarcat budgétaire, formidable. Rien à voir avec euh, la description que les féministes font de la, société, euh, de la société française. Bon, donc convergence d'intérêts, finalement, pour euh, faire du travail féminin, du salariat, pour être très précis, le projet alternatif à la, mater, à la maternité. Bon, dans ces conditions, j'en reviens donc à la contraception et à votre question, les féministes vont demander, évidemment, vont soutenir la loi Neuvirt de puis la loi Veil, puisque c'est un moyen de se libérer des contraintes de la nature et de mieux réguler leur fécondité, de mieux maîtriser leur fécondité, de dissocier la fonction de reproduction et la fonction érotique. Par conséquent, c'est leur revendication. Euh, centrale. Très vite, on va s'apercevoir d'une chose. Et cela a été développé par un philosophe marxiste qui s'appelle Michel Kouskar dans les années 90. Euh, ce n'est pas l'abolition du patriarcat qu'ont voté les députés, mais en fait le triomphe et l'avènement de la phallocratie, ce qui est évidemment pas, pas du tout la même chose. Qu'est-ce qui se passe La pilule, le stérilet. Font exploser le marché sexuel, l'offre sexuelle. Les femmes peuvent consommer tous les partenaires qu'elles veulent sans risque. Là, on a une contraception qui, euh, contrairement à la précédente, est d'une efficacité absolue. Dans la contraception précédente, dont je parlais à l'instant, disant que beaucoup de Français la, la pratiquaient, eh bien, il y avait effectivement des failles entre l'efficacité de cette contraception et la contraception chimique ou le stérilet, c'est toute la différence qu'il y a entre le grève d'une légion romaine et le euh, missile balistique. Hein, l'efficacité voilà. euh, de la seconde est évidemment euh, considérable et infiniment supérieure aux techniques contraceptives euh, qui, qui précédaient. Alors, conséquence, le marché de l'offre sexuelle explose et il évolue dans le sens des intérêts masculins puisque les hommes sont libérés de, à la fois d'une paternité euh, encombrante et, et d'une euh, fidélité tout aussi encombrante, la paternité menaçante, on va dire, puisque elle, elle est potentielle, et d'une fidélité encombrante. Donc l'accès au corps des femmes, j'allais dire, de, 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 se libéralise. C'est ça le phénomène nouveau, c'est que, vous voyez, l'esprit de gauche progressiste, euh, dans tous les domaines, réclame la régulation. Il faut des lois pour encadrer l'économie, il faut des disciplines dans les partis, dans les syndicats, euh, il faut évidemment que l'État intervienne partout. Le seul domaine où la gauche ou ces esprits progressistes vont prôner une dérégulation libérale, c'est la sexualité. Donc, avec les faits que je viens de... Euh, pointé à, à, à l'instant, c'est que cette explosion de l'offre sexuelle sur le marché va avoir pour corollaire un effondrement du coût social de la relation. Dans le patriarcat, cest à la situation précédente, alors bah certes, il y avait des hommes qui consommaient des filles et puis se défilaient le jour où la fille leur apprenait qu'elle était enceinte. Euh, et c'est ce qui nourrissait d'ailleurs l'avortement clandestin. Mais dans la plupart des cas, les hommes étaient obligés de réparer et de se marier. Le mariage, c'était le grand régulateur des relations entre hommes et femmes. Avec la pilule et le stérilet, c'est plus le cas. Il n'y a donc plus un coût social à la relation avec les femmes, dans la mesure où ça peut être la partenaire d'un instant et que. Le mariage n'est plus l'issue de la relation sexuelle avant. L'accès permanent au corps de la femme était conditionné par le mariage. Si vous y avoir une partenaire fidèle, bah, il fallait en passer par le mariage. À partir du moment où la pilule intervient sur le marché, c'est plus le cas. Et on voit donc euh, avec une augmentation de la concurrence aussi des oui, facteurs, parce qu'on passe sur une logique aussi de compétition. Bien sûr. Une compétition en, en, entre les femmes. Donc, qu'est-ce qu'on voit On voit que les, ce, cette assemblée, elle vote un droit de cuissage permanent, c'est-à-dire la possibilité de consommer le corps des femmes sans risque, ce qui jusqu'à présent n'était pas le cas. Les députés à l'époque sont issus de milieux bourgeois, ils pratiquent tous plus ou moins l'adultère formidable. Voilà le, enfin le bouclier qui, se, qui permet de, de se protéger des mésaventures, de garder son épouse de laquelle on ne divorcera pas, parce que le divorce sera encore très longtemps déconsidéré dans la société française, et puis d'avoir toutes les maîtresses qu'on veut à, à, à côté. Assez vite, quand même, il faut le reconnaître, une partie des féministes pointe cette évolution en disant mais est-ce qu'on n'a pas troqué une aliénation contre une autre je me souviens des cris dans le, « le, le torchon brûle », qui était l'organe menstruel, vous voyez, la finesse et l'humour euh, du mouvement de libération des femmes, disant « Mais finalement, la pilule, elle aura servi les intérêts ou les impératifs sexuels masculins. Est-ce qu'on ne s'est pas fait avoir ?» Ou pour reprendre l'expression de Simone de Beauvoir, qui l'appliquait à une toute autre situation, « Nous avons été floués ». N'avons-nous pas été floués C'est la question que se posent certaines féministes avec les conséquences pratiques de cette révolution sexuelle engendrée par, euh, par la pilule, euh, dépressation de la relation sexuelle avec la femme, désacralisation du corps féminin, réification chimique, on en parlera peut-être, dépendance de la femme, technomarchant dans l'égard des laboratoires pharmaceutiques et à l'égard du corps médical. Beaucoup de gynécologues sont encore des hommes, mais très peu, très peu de femmes sur le, sur le marché. Donc on a troqué une forme de patriarcat, ce qu'on appelle le patriarcat, contre un autre. Est par exemple en prise des, 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 corps médical que va très bien décrit michel foucault quand il parle de ces dispositifs de savoir-pouvoir bah, Le dispositif de savoir-pouvoir sont les hommes médecins qui exercent sur le corps des femmes voilà. c'est plus le mari mais c'est toujours un homme et totalement étranger à la femme ce sont des muta mutations décisives et vous voyez comme les choses la, la ruse de l'histoire comment les choses ont évolué. Les premières féministes euh, donc se sont interrogées sur finalement est-ce que le fait de réclamer la privatisation euh, de nos corps n'engendre pas des conséquences euh, pires euh, que celles que nous avons dû subir euh, pendant, des, pendant, pendant des siècles. Je me souviens de de féministes québécoises qui viennent au, au colloque du planning familial pour dire mais ne sommes-nous pas tombés dans une autre forme euh, d'esclavage La première génération féministe se pose ces questions et elle a, fait, elle a porté cette revendication au nom de la liberté, au nom de l'autonomie pour pouvoir disposer de leur corps et repousser le contrôle de l'État. Sur leur sexualité, sans débarrasser, sans défaire. La génération féministe, les néo-féministes que nous connaissons aujourd'hui, ont une position radicalement inverse, opposée. Les premières féministes voulaient moins d'État et moins de contrôle. Les néo-féministes ne cessent de réclamer la police des mœurs, des brigades de délation. Elles bref, plus, elles veulent plus de sexualité. Elles la redéfinissent d'ailleurs. Vous, vous, vous rentrez vraiment dans le détail, même au niveau de l'orgasme féminin. Vous dites qu'elle veut faire, faire disparaître un certain type d'orgasme féminin pour en valoriser un autre voilà. qui permet d'avoir une indépendance. L'orgasme clitoridien qui permet de se passer de partenaire masculin. Et le drapeau de l'indépendance, l'étendard de l'indépendance des féministes face à l'orgasme vaginal, vaginal où on a besoin d'un euh, partenaire euh, qui, si possible, d'un homme plutôt que d'un vibromasseur. Bien, euh, ce sont ces digressions pour en arriver à l'essentiel. Les néo-féministes, elles, elles réclament plus d'État. Plus de contrôle. Un flic, un juge au pied du lit. Voilà. Euh, pour mieux criminaliser la masculinité et les comportements euh, masculins. Mais en tout état de cause, elles veulent promouvoir ce qu'il faut bien appeler un nouvel ordre moral aussi étouffant, aussi implacable, aussi accablant, aussi insupportable que l'était l'ordre moral bourgeois au XIXe siècle. Ah oui, c'est un moral bourgeois qui faisait condamner par les tribunaux Charles Baudelaire pour avoir écrit Les Fleurs du Mal ou Flaubert. C'est exactement la même chose aujourd'hui. Le féminisme a entrepris cette espèce de révision de l'histoire dans le cadre du phénomène woke, euh, euh, qui est de faire disparaître la masculinité, de la criminaliser. Et en tout état de cause, de faire que l'État ait de plus en plus de capacités intrusives dans la sphère privée. Avant, on rejetait l'État hors de la sphère privée, et quand l'État revient dans la sphère privée pour exercer un contrôle, ça s'appelle l'ordre moral. Voilà. On veut vous imposer une forme de sexualité ou une forme de rapport. On judiciarise l'intime. L'intime relève. Alors la team relevait des tribunaux avec le divorce, mais maintenant, tout relève des tribunaux en ce qui concerne les relations hommes-femmes, depuis que les néo qui ont bien compris finalement, ou s'ils ne l'ont pas compris, ils l'ont euh, perçu, et, et, sans voir toujours les développements, euh, que euh, euh, cette affaire de libération sexuelle avec la légalisation de la pilule et de l'avortement s'est retournée contre elle, et, et, et les hommes ont été les grands gagnants de ces pseudo-lois émancipatrices qui ont été vendues comme telles aux femmes en disant ⁇ c'est formidable, vous allez pouvoir vous comporter comme un homme puisque euh, vous n'aurez pas à subir les conséquences de euh, l'acte la, euh, sexuel, de la relation sexuelle, c'est-à-dire vous, vous trouvez dans la position de l'homme qui, lui, de toute façon, était protégé. ⁇ face aux conséquences, j'allais dire, de, de cette relation. Et vous voyez comme le vocabulaire est intéressant et révélateur de cette période. Ce, ce, ce qui est intéressant, ce que vous avez dit aussi, c'est la judiciarisation de l'intime. C'est-à-dire que euh, vous dites aussi dans votre livre que c'était un argument qui a été utilisé aussi à une époque par les féministes pour dire qu'il faut développer le divorce à l'amiable parce qu'on ne va pas commencer à rentrer dans la vie des gens, etc., et à rentrer chez eux pour savoir qui a eu tort ou qui a eu raison. C'est-à-dire qu'il y a toujours une sorte de... de de, de contradiction, de contradiction qui, est, qui est permanente. Je reviens aussi tout à l'heure sur votre... Vous parliez de la revue menstruelle. Vous vous en prenez beaucoup aussi aux, aux médias de l'époque, à des médias aussi comme Elle, euh, que, vous, que vous conspuez beaucoup. Et vous revenez aussi sur la revue Nous Deux. C'est-à-dire qu'il y avait des revues, pour le coup, qui étaient plutôt dans une logique moralisatrice Alors, assez chrétienne. Justement, là, ça me permet Et où le rôle si de l'Église a de eu un de... rôle aussi euh, que, vous, que vous critiquez à ce niveau-là. Alors, ça me permet, si vous voulez, de de passer d'un plan à un autre dans, dans l'exposé de, de mon propos. Je vous parlais de l'évolution sémantique pour vous montrer combien euh, les rapports entre hommes et femmes avaient changé. Et comment justement certaines publications témoignaient en fait euh, du maintien. Euh, de l'ancien, ce que j'appelle l'ancien régime des mœurs. Jusqu'à la guerre, on appelle les, les familles des ménages. À partir des années 45, vient le mot couple. Euh, C'est plus restrictif que la famille, le ménage, mais si, ça dit bien la relation entre un homme et une femme. Mais couple vient du latin copula, ça couplait. Ça veut dire donc que ça renvoie à une relation passagère, transitoire, qui ne construit pas forcément dans la durée. Vous voyez déjà, avant même que la pilule soit sur le marché, on a de la relation amoureuse et de la relation avec son partenaire une conception différente de celle du mariage chrétien qui visait à l'indissolubilité et à la fidélité. Ce Il y a encore a... la logique de la procréation dans l'accouplement. Oui, ce que Dieu a uni ne doit pas être dissous par les hommes. Donc on arrive à la notion de couple. Et c'est là effectivement où. Le rôle des médias est très intéressant à analyser. D'un côté, il y a les médias comme Elle et Marie-Claire, qui évidemment, parce que c'est le marché de la consommation, euh, euh, qu'ils vivent par la publicité, sans la publicité, ces publications ne seraient pas rentables. Donc, euh, toute la publication autour du corps comme projet, maigrir, être belle, la chirurgie esthétique, etc., vont prendre le parti de... Euh, la libération sexuelle, des lois euh, soi-disant euh, émancipatrices, ne virté et veilles. Et, 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 et de l'autre côté, il y a une presse plus traditionnelle qui maintient effectivement la vision de l'ancien régime des mœurs. Je vous disais tout à l'heure, donc le bilan euh, des lois émancipatrices, c'est finalement qu'on fait triompher ce qu'était l'idéal masculin. S'accoupler sans s'engager. C'est pour ça que je vous le disais, on est passé de, de, du patriarcat à la phallocratie. S'accoupler sans s'engager. Vieux programme, effectivement, des phallocrates, c'est-à-dire, euh, on s'accouple sans se mettre en couple. Bon. Euh, on consomme le maximum de partenaires sans avoir à en supporter l'entretien financier ou sentimental dans la durée. Ça faisait partie d'une certaine mentalité masculine qui arrive plus facilement à dissocier l'amour, c'est-à-dire le plaisir, des sentiments. Les femmes, c'était pas le cas. Il y avait un lien inextricable, semble-t-il, entre le sentiment et le désir et son aboutissement, le plaisir. Les femmes avaient plus de mal à dissocier le fait que le sentiment de l'acte, elles ne consentait à s'offrir qu'aux hommes qu'elles aimaient, alors que la consommation sexuelle masculine était différente, compulsive, obéissant effectivement à des à des pulsions, euh, à un instinct. Alors, à côté de la presse euh, qui mène campagne pour l'émancipation, euh, sic il y a une presse extraordinairement conservatrice, qui est ce qu'on appelle la presse du cœur, avec beaucoup de mépris, euh, euh, qui s'adresse. Ne croyez pas simplement que c'est le public populaire qui lit cette presse du, 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 du cœur. Presse du cœur, ce sont des titres comme Nous deux, vous voyez, les romans photos, intimité. Ça, tire à, à, ça se vend à, 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 à nous deux 4 millions d'exemplaires, et ça tourne de, de main en main, ce qui fait que ça touche à peu près la totalité de la population féminine dans l'âge de fécondé, les 15 millions de femmes entre 15 ans et 45 ans. Et quel que soit leur milieu, hein, ce n'est pas simplement les petites bonnes qui lisent nous deux ou, ou intimité, c'est euh, toutes sortes de populations. Il y a même un électorat masculin c'est euh, l'organe de presse le plus vendu en france. Voilà. roman-photo-feuilleton avec effectivement un cadre normatif qui dicte encore et façonne des comportements qui est celui de la morale chrétienne. l'église et les, les prêtres, en tout cas pas l'église, mais un, un, un certains milieux ecclésiastiques été assez bêtes pour ne pas le voir et pas le comprendre. C'est passionnant, euh... vous racontez justement dedans, où ils vont raconter des histoires, ils vont faire la morale d'une femme qui va avoir un amant, ils vont lui dire qu'il faut absolument le laisser tomber. Exactement. Euh, et à chaque fois, il y a, vous parlez vraiment d'un rôle de gendarme des mœurs. Bah, exactement. Et, 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 et le clergé ne, ne voit pas ça. Il voit dans euh, une forme de divertissement, d'évasion, euh, le rêve du grand amour, euh, qui détourne les femmes euh, euh, bah, de l'essentiel ils sont d'ailleurs parfaitement d'accord avec les progressistes, les premières féministes, les mouvements de gauche, en disant que c'est une littérature de bas étage. Parce que là, pour le coup, effectivement, toujours, c'est le divertissement. C'est-à-dire, pendant que les femmes euh, se nourrissent ou s'abreuvent euh, de ces rêves en, en rose, elles ne se battent pas, elles ne s'engagent pas, elles ne militent pas, elles ne vont pas au syndicat. Euh, bref. Euh, ou elles ne prient pas euh, comme ça dans l'église. Voilà. Alors c'est pour l'église, effectivement. L'Église pense que euh, la religion de l'amour, telle qu'elle s'impose dans les années 50 en France, est une religion concurrente du catholicisme, et l'amour qui n'est pas relié à, 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 à l'amour de Dieu, et, et, comme dirait Thibon, effectivement, c'est de, de l'éternité perdue. Bon, Je très précise bien. que quand vous dites l'Église, d'ailleurs, c'est Jean 23 lui-même oui, qui a pu écrire. Oui, oui, tout à lui. fait. Il y a une condamnation de la part, de la part du pape. Or que voit-on dans ces publications Moi, je les ai bien regardées, euh, scrutées, dépouillées. Euh, euh, C'est une vision chrétienne du rapport entre euh, les hommes et les femmes. Pourquoi euh, Les récits sont, obéissent toujours aux mêmes critères à la même norme. La femme atteint l'amour unique, l'homme de sa vie, le prince charmant. Le prochain charmant qui est aussi celui des contes de Perrault, par exemple. Hein, la belle endormie qui va se réveiller, qui va trouver l'homme. Cette idée qu'il y a une, un homme prédestiné pour chaque femme dans la vie d'une femme. C'est un peu le mythe de l'Annonciation. C'est l'ange Gabriel qui apparaît à la Vierge et qui lui dit Ah, voilà. Euh, ben C'est la même chose. C'est-à-dire, tu vas avoir un homme, ça sera l'homme de ta vie. Euh, il est quelque part, tu l'attends, tu vas le rencontrer. Pas question de multi-partenariats Pas question de, de consommer des, des partenaires euh, pour le, le simple plaisir. Et je repense à cette phrase terrible de euh, de de, Morand, de Paul Morand, dans son journal inutile, où il essaye de marquer la différence dans les rapports entre mes femmes entre les années encore 1920 et puis la, la, la toute fin de sa vie, c'est les années 70-75. Il dit hier. Les femmes, c'était la chair. Aujourd'hui, c'est de la viande. Voilà. La marchandisation, la réification du corps féminin. Bon, eh bien, nous deux, euh, l'intimité, toute cette presse du cœur, elle euh, véhicule ce discours qui est un discours avec un courrier du cœur où euh, il est répondu, il est répondu euh, aux problèmes que posent les, les lectrices Un rôle de psychothérapeute aussi. Oui, et qui donc, qui ramène toujours à la morale chrétienne à des comportements qui sont ceux effectivement de l'éthique de l'éthique catholique avec cette idée effectivement que euh, le, le mariage l'amour entre un homme et une femme euh, obéit à une sorte de prédestination et doit s'inscrire dans la durée alors que toute la presse moderne à côté oppose l'authenticité à la fidélité vous voyez c'est deux conceptions tout à fait L'authenticité, ça veut dire, tant qu'on aime, on aime, c'est bien. Le jour où on il ils font changer. Alors, la, la, le mariage est un simple contrat. Donc quand le contrat n'est plus tenu, il faut le rompre et puis passer à autre chose. Ce facteur de. de, de, de cette force d'inertie euh, imprègne encore considérablement les esprits, ce qui fait que toutes les forces progressistes vont s'attaquer à la presse du cœur parce qu'elles voient bien que c'est à la fois le reflet de la mentalité encore dominante et des comportements dominants, elle va s'attaquer à cette presse comme un bastion du conservatisme qu'il faut affaiblir et, 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 et détruire. Et vous, vous dites aussi que des, des, des médias comme RTL, par exemple, ont popularisé des pratiques auprès des classes populaires qui n'en avaient jamais entendu parler, et ce qui a créé aussi une sorte de frustration de nombreuses femmes qui disaient... Euh, mon lit, je me sens seul dans mon lit, ça se passe pas bien, et qui en fait faisait créer des névroses qu'elle n'avait pourtant pas avant. Exactement. Alors, pour essayer de, de bien voir les choses, moi ce qui m'a frappé, euh, c'est que cette entreprise de déconstruction de la modernité, elle est menée par des gens qui sont reliés, tous, par une commune détestation du catholicisme. Tous, sans exception. Vous me parlez d'RTL, donc c'est la figure de Méni Grégoire, mais c'est le cas aussi de Daniel Philippe le fondateur de l'Empire de la presse jeune et qui est l'homme qui importe le rock and roll en France, le rock en France, qui est l'incubateur d'une conscience générationnelle, de classe, l'incubateur de la culture monde qui arrive. Voilà, qui De Gaulle est chef de l'État, il prétend contenir l'impérialisme américain, en tout cas, il n'arrive pas à contenir Culturel des États-Unis qui va défaler sur la France. Philippe qui déteste le catholicisme. Il a été le condisciple au lycée de Lustiger. il le raconte d'ailleurs. Il a une haine de ce que représente et véhicule le catholicisme. Euh, euh, Pierre Simon, le grand maître de la Grande Loge de France, qui, en tant que conseiller médical au ministère de Boulin d'abord, Tétinger ensuite, Simone Veil, Va être l'homme euh, qui va mener, euh, à partir du travail des loges, le projet de la loi Neuwirth et le projet Simone Veil sur la régularisation de l'avortement. Euh, est un homme habité par la haine du catholicisme. Il le dit, il raconte lui-même. Commençons par la contraception parce que les esprits ne sont pas prêts et puis on on arrivera très vite à l'avortement, la philosophie de ces obédiences maçonniques elle est simple, non la vie n'est pas un don de Dieu, non la vie n'est pas une valeur suprême, une valeur absolue, il faut la transformer, ce sont les mots de Simon en matériaux à gérer. Voilà d'où toutes les dérives euh, que l'on connaît aujourd'hui, PMA, GPA, un la vie c'est un matériau à, à gérer. Elle n'est pas habitée par l'idée du, du sacré, comme le professe la religion catholique. Donc, et la contraception, et l'avortement procèdent d'un autre regard sur la sacralité du corps. On l'évacue, on en fait un simple. Ce sont des matérialistes. On en fait un simple matériau qu'on pourra manipuler, dont on pourra décider du début ou non. Et de la fin, on arrive directement, le prolongement de lois sur l'avortement, c'est aujourd'hui le projet sur l'euthanasie et le suicide assisté. Donc on désacralise la conception chrétienne, catholique même, de la vie qui prévalait dans la société occidentale à travers, euh, à travers euh, ces lois. Donc le lien, Grégoire, j'y viens, RTL. Mené Grégoire est né dans un milieu traditionnel, dans l'ouest de la France, milieu très catholique, avec un père pratiquant. Le frère de mélie Grégoire, euh, l'abbé Laurentin, deviendra chroniqueur, euh, il tiendra la chronique religieuse au Figaro et sera un des experts au Concile. mélie Grégoire, euh, d'abord, elle, elle raconte pourquoi elle rejette d'emblée, très jeune, à 13-14 ans, le prénom de Marie, qui est le sien parce qu'elle renvoie justement la culture catholique, elle se fait appeler Ménie. Et elle se détache complètement et euh, prend en aversion tout le catholicisme, sans le dire, elle l'assumera publiquement à la mort de son père, elle ne voulait pas chagriner son père, là elle est entrée en psychanalyse pendant 15 ans chez le, le psy le plus cher de Paris, et elle va devenir l'animatrice de cette émission d'Hertel qui aura un formidable succès à Ménie. 2 millions d'auditrices chaque jour à 14h sur RTL, les ménagères qui ne travaillent pas et à qui on va dévoiler je vais dire, le monde de la sexualité. Avec, je veux dire, tout ça est pensé, tout ça est, est travaillé. Euh, par exemple, la bataille pour sémantique, euh, les femmes qui téléphonent pour exposer leur cas à eh bien, euh, parlent de la réalité sexuelle avec des mots crus, qui sont ceux du langage courant. Qui sont parfois des mots gothiques, d'ailleurs, ou vulgaires. Euh, il y a une petite équipe au standard qui trie les questions et puis qui apprend aux interlocutrices qui vont intervenir à l'antenne qu'il faut employer des mots cliniques qui sont beaucoup plus neutres, parler de vagin, parler de verge par exemple, et ne pas employer d'autres vocables plus abrupts. Euh, voyez, le. C'est une rééducation, on est bien là devant l'ingénierie sociale. Employer les mots à connotation médicale neutralise l'acte. C'est-à-dire qu'il apparaît euh, 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 moins, moins érotisé, moins agressif. Et, euh, la sexualité a longtemps été un tabou dans la société française. Alors pour parler de ces choses-là, on va employer des mots qui sont aseptisés, qui sont les mots du vocabulaire médical. Et on les apprend. Aux, aux applantes, aux interlocutrices, pour qu'elles ne prononcent pas les mots de leur vocabulaire naturel à l'antenne, mais s'expriment euh, selon ces normes euh, sémantiques. Bien, Mélie Grégoire, elle va se battre pour la contraception, pour l'avortement, avec une résistance inouïe au départ. C'est que le, les classes populaires ne veulent pas la contraception elles considère que c'est dénaturer le corps de la femme. Elles veulent comme elles le disent d'ailleurs chez les gynécos rester une vraie femme. Perturber leur cycle endocrinien, c'est dénaturer le corps de la femme. Il y a euh, la pilule va s'imposer. Il faudra 20 ans pour que la pilule euh, s'impose. Les malgré tous les moyens employés par l'État, la euh, circulaire Fontanet instituant l'éducation sexuelle en 1972 dans les lycées avec pour but, puisque la plupart des intervenants viennent du planning familial, d'apprendre aux filles de 14 à 16 ans à servir la pilule. Malgré tout ça, la résistance est inouïe. La pilule ne dépasse pas 15% de consommatrices en âge de fécondé dix euh, ans après euh, l'adoption de la loi, parce qu'il y a une méfiance instinctive. Eh bien, la fonction des médias va être de rendre tout cela, de euh, faire en sorte que tout cela intègre la norme comportementale. À l'aide de euh, rapports, le rapport Kinsey aux États-Unis, comme le rapport Simon en France, Pierre Simon dont je parlais à l'instant, donc un objectif, finalement, c'est de montrer que les pratiques déviantes, non reproductives, l'adultère, l'homosexualité, les pratiques buccogénitales, tout ce qui n'aboutit pas à la procréation, eh bien, tout ça est pratiqué par une majorité de, de personnes, et que donc le nombre fait la norme. La statistique a une valeur normative. Puisque tout le monde agit comme ça, vous pouvez agir comme ça. C'est l'apparition le... la sex... aussi de la sexologie. Est il y a plein de spécialistes bah, la sexologie, qui apparaissent. C'est la ce qui permet effectivement de vulgariser ce, euh, ce, 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 ce faux savoir, mais... Et surtout de créer un marché puisque les sexologues vont faire des fortunes considérables avec une clientèle de personnes qui se disent mais finalement est-ce que ma sexualité est normale je ne pratique pas ceci je ne pratique pas cela donc anxiété donc questionnement et donc les couples vont euh, consulter les, les sexologues donc là un immense marché va euh, ainsi euh, euh, s'ouvrir et, et euh, 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 Mélie Grégoire, a pour c'est sa fonction sa vocation euh, son, ses émissions pour objet de euh, vulgariser ces formes de sexualité auprès du grand public et ce, celles qui l'écoutent sont les femmes du peuple bon. Au départ, la, réticence, la résistance à la pilule, elle se fait traiter de tous les noms. Elle reçoit un courrier en disant Mais jamais de ma vie, jamais ma fille ne prendra la pilule. Euh, euh, la pilule, euh, ça va conduire au dévergondage. Est-ce que ma fille est de multiples partenaires euh, La mentalité encore prédominante dans les années 60, c'est la virginité des filles. C'est extraordinaire quand on regarde toutes les enquêtes d'opinion. Ce que les féministes appellent euh, le double standard, en fait. Euh, on tolère aux garçons de multiples euh, expériences, il faut qu'ils jettent leur gourme, à condition qu'ils soient fidèles après le mariage. Mais en revanche, la fille doit arriver vierge au mariage, hein, la capsule de garantie. On a quoi. des statistiques sur le respect de cette virginité dans les années 50-60 Oui, mais le, je veux dire, la, la virginité, 75%. Euh, 80% des filles arrivent vierges au mariage. Donc les, la tenue en blanc n'est pas du tout euh, usurpée. Et, et effectivement, euh, euh, un garçon va avoir une réticence à épouser une fille qui n'est pas, pas vierge. Hein. Euh, euh, D'ailleurs, les sociologues se moquent en disant... Bah, voilà. Et, en, en fait, les, les, les garçons ne veulent pas d'une voiture d'occasion, d'une voiture qui a déjà roulé. Quoi. Alors que les filles, tolèrent parfaitement que l'homme ait des expériences, qu'il jette sa gourme, voilà et qu'après, euh, euh, il trouve la stabilité, la fidélité, la continuité dans, dans un lien unique avec euh, une partenaire. Ce sont des appareils de conditionnement formidables. Et on me dit, je dis, il y a certaines critiques dans la presse, mais Patrick Bisson nous parle d'un monde enchanté, l'âge d'or, je sais bien, je l'ai vécu. Ce n'était pas un monde enchanté, ce n'était pas l'âge d'or. Ça montre simplement la qualité humaine était bien supérieure à celle évidemment auxquelles nous sommes confrontés euh, aujourd'hui. Et euh, On me dit, mais ce monde que vous décrivez qui était le monde de, de, de la chrétienté, des, des vertus et des valeurs euh, chrétiennes, il devait bien poser un problème, puisqu'il s'est effondré en, en quelques années. Quoi. Il a fallu 10 ans, 15 ans, de la période du Concile, pour que la pratique religieuse reflue dans des proportions considérables. Ce monde-là générait des frustrations, des insatisfactions. Mais quelle est la société qui ne génère pas des frustrations, des insatisfactions et parler de cela euh, en le rapportant à l'ancien monde me paraît tout à fait disproportionné à la réalité d'aujourd'hui. Euh, les frustrations, euh, euh, les vies euh, ou les couples euh, disharmoniques, euh, certes, aujourd'hui. Justement, ça m'amène à une question où vous parliez de, de ce que la presse pouvait dire justement de, de, de votre ouvrage. Euh, vous parlez à un public qui est large, mais un public aussi parfois d'une assez conservateurs. Et pour autant, il y a énormément aujourd'hui de, de jeunes femmes qui se disent conservatrices ouvertement et qui euh, ont une vie sexuelle avant le mariage, je pense, de façon très très large, et aussi utilisent la contraception. Comment vous vous dites que vous pouvez euh, leur parler tout en ayant ce type de discours. Est-ce que vous trouvez ça incompatible Ou est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous en attendez en fait bah, non, on, on va essayer de précéder par ordre et je vais finir de répondre à votre question ouais. précédente et puis je viens euh, sur le, la question que vous abordez. Euh, on était en train de parler de la fonction normative des médias. Euh, et euh, pourquoi tout s'est effondré d'un seul coup. Il a fallu dix ans pour que la pratique du catholicisme recule dans les proportions considérables. C'est donc que cette société générait des frustrations. Vous ne croyez pas que notre société moderne secrète d'autres frustrations d'une ampleur encore plus importante quand on voit le chiffre nous sommes les rocs en main du monde de la consommation de psychotropes, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques. L'explosion du marché de la drogue fait que les grands systèmes de sens qui donnaient sens à la vie s'étant effondrés euh, ou ayant euh, pratiquement disparu, les hommes n'ont jamais été aussi en demande de, euh, de drogue, voilà, n'ayant plus... Euh, les grands messianistes, qui étaient le catholicisme ou même les idéologies politiques euh, auxquelles ils pouvaient se ra raccrocher. Le nombre des prêtres en 1960 était de 70 000. Les psy, les psychiatres, les psychologues étaient quelques centaines. Aujourd'hui, les rapports se sont inversés. Voilà. Et euh, euh, ce monde a basculé parce que. Ceux qui ont voulu mener ces projets sur le plan économique, sur le plan anthropologique, sur le plan des mœurs, sur le plan des croyances, ont disposé d'un outil dont aucun État, aucune institution au cours de l'histoire, même les plus féroces dictatures n'ont pu disposer. Le pouvoir d'Église au XIXe siècle s'appuyait sur les mandements épiscopaux. Quand on a à sa disposition la télévision, le média de masse qui touche... 80-75% des Français à partir des années 70. Où toutes les productions, toutes les réalisations sont inspirées par le même progressisme, y compris les euh, feuilletons du soir à 19h40, le temps des copains, Jannick Aimé, où on vend des modes de vie euh, euh, nouveaux, donc subversifs, donc à, con à contre-courant de la morale chrétienne. La publicité si on voit, qui envoie, qui construit des attitudes d'achat, des, 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 des conduites d'achat euh, qui occupent, selon la formule de Patrick Lelay, les parts de cerveau disponibles. Euh, la radio, la presse, les médias, euh, surtout la, la télévision, ça c'est formidable. Je, je disais dans la fin d'un monde que la lumière bleue du téléviseur avait remplacé la petite lumière rouge de, du tabernacle, c'est ça. Euh, jamais un appareil à formater les esprits n'a eu euh, autant de puissance. Elle trône au milieu de, de la salle à manger ou de la cuisine euh, dans les milieux paysans et tout le monde a le regard tourné vers ça. Donc effectivement, la puissance, la puissance de euh, l'appareil médiatique, l'appareil de communication, euh, qui n'avait jamais existé dans aucune des sociétés, a permis effectivement de d'éroder, d'affaiblir rapidement l'ancien régime des mœurs. C'est à mon avis moins les frustrations qu'il suscitait que euh, l'intensité, la densité, l'ampleur de l'appareil de reconditionnement que représentait le passage de la logosphère à la vidéosphère, comme dit Régis Debray. Nous sommes passés à l'heure de la vidéosphère. Et ce fut un outil de reformatage des esprits, de rééducation considérable. Pour en venir maintenant à la question que vous me posez sur les comportements euh, sexuels, euh, ben, j'observe deux choses. D'abord, on a parlé du néopuritanisme qui s'empare du mouvement féminisme aujourd'hui. ça, c'est un phénomène intéressant à analyser, puisqu'il renvoie à une vision cyclique de l'histoire. Toutes les périodes de grande liberté sexuelle sont suivies à plus ou moins brève échéance d'un mouvement inverse, d'une réaction puritaine, qui est une réplique féminine, pour ne pas dire féministe, à la période antérieure. D'une certaine manière, le christianisme, porté beaucoup par les femmes, fut une réaction aux mœurs de l'Empire romain, aux mœurs décadentes de l'Empire romain. Le roman courtois, euh, les cours d'amour furent une réaction féminine à la trop grande liberté du Moyen Âge, la liberté rablaisienne, j'allais dire, du Moyen Âge. Euh, le mouvement des, des précieuses, la préciosité, fut une réaction contre la débauche à la cour du roi de France. Le directoire, avec les, les incroyables et les merveilleuses, euh, ces femmes... Au Comportement libéré, déjà émancipé, fut une réaction au règne de la terreur et de la vertu qu'ont voulu imposer les conventionnels à partir de 1793. Et là, on est face à une réplique féminine néo-puritaine qui fait qu'après avoir divinisé la sexualité, elle est perçue aujourd'hui comme un élément toujours de domination de ce qu'ils appellent, euh, ce qu'on peut appeler d'ailleurs la, la, la phallocratie. Autre chose, moi ce que j'observe, ce qui est très intéressant, c'est de voir qu'après avoir été très réticente à l'égard de l'usage de la pilule, les femmes la délaissent de plus en plus. Euh, Vous dites 60 maximum... d'utilisation dans les années 2000 et ouais. aujourd'hui 37 Oui, ouais, ouais, le recul et le refus est important. Pour en revenir aux méthodes dites naturelles qui étaient prônées par l'Église, dont tout le monde se moquait, la méthode de gino, la méthode des, des températures, c'est très lié d'ailleurs à l'apparition de l'écoféminisme. Ouais. La pilule, c'est pas naturel. La pilule, c'est un contrôle chimique de notre corps. Donc euh, on, on voit ce ressac euh, euh, s'accomplir. Euh, D'autant plus, si vous voulez, que euh, on se rend compte que la promotion de la pilule reposait sur un mensonge d'État. On a minimisé les risques liés à la pilule. Il a fallu les événements récents, la pandémie euh, du Covid, pour qu'on nous explique. Benoîtement, comme ça, au détour d'une phrase, que le vaccin AstraZeneca, euh, qui était proposé euh, euh, à l'ensemble de la population, comportait 56 fois moins de risques que les pilules. Euh, ordo, con, la contraception hormonale, pardon. Ah bon Mais On l'avait jamais dit, ça. Avant. On avait dit, mais non, les risques de thrombose, de circulation, les risques cancéreux. On a vu qu'une filiale de, de l'OMS a conduit l'État français, il y a 15 ans, euh, non, pas à interdire la vente, mais à dérembourser certaines formes de pilules qui avaient été reconnues comme cancérigènes. On voit aujourd'hui se multiplier les actions pénales contre les laboratoires pharmaceutiques. Une étudiante de Bordeaux a gagné, d'ailleurs, je crois que en 2020, euh, en obtenant la condamnation d'un la laboratoire pharmaceutique qui, reconnaît, qui reconnaissait l'arrêt, en cours d'appel, reconnaissait l'imputabilité de, de l'accident vasculaire qu'elle avait eu à la prise de pilules. Euh, il y a des sites, ce qu'on appelle la pile scare, la peur de la pilule. Et il y a des sites qui sont consacrés à, à ce phénomène. Il y a une vague d'hormonophobie qui fait que les jeunes générations rejettent aujourd'hui la, euh, la pilule, re revenir à ce qui est l'état de, euh, de, 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 de nature. Euh, il y a des class actions aux États-Unis contre le groupe Bayer, on les compte par centaines. Hein, et, et, alors qu'on a expliqué pendant 20 ans ou 30 ans que c'était un, un médicament, un médicament, oui, on, oui en fait ce n'est pas un médicament, parce qu'il ne soigne pas, il a est, il est une vertu préventive et non pas curative, euh, et c'est un produit qui ne comportait pratiquement euh, aucun risque. Donc, euh, alors, la, la sexualité s'occupe. Consomme et se pratique évidemment différemment euh, euh, de ce qu'il était, ce qui se passait il y a, il y a 50 ans, et que, que les jeunes femmes peuvent avoir un, un comportement plus libre euh, que leurs euh, leur grands-parents euh, ou leurs arrière-grands-parents, euh, ça va de soi. Mais je ne suis pas sûr, et même je suis à peu près sûr du contraire, que euh, nous ne soyons pas sortis. De la révolution, de la phase où la révolution sexuelle a reformaté les comportements, les attitudes, pour entrer dans quelque chose d'autre, ou précisément, c'est ce que je décrivais, vague de néopuritanisme, prise de distance à l'égard de la pilule, le regard qu'on porte sur la sexualité, naissance aux États-Unis, on le voit, des, des mouvements de. Je veux dire euh, qui pratiquent la chasteté, l'abstinence la sexuelle jusqu'au jusqu'au mariage du moins, euh, qui sont qui font la promesse de euh, de se réserver à leur futur conjoint. Je ne suis pas sûr. Je suis je suis même certain du contraire que nous ne sommes pas entrés dans une phase où tout ce qui est apparu comme les acquis de la révolution sexuelle ne soit pas progressivement euh, remis en cause. Justement, il y a, il y a, une, -moi, il y a une question moi, que je que n'ai pas trouvée dans, dans votre livre à, à ce niveau de, de réflexion, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, il y a une baisse de l'utilisation de la contraception, mais soit elle est faite parce que les femmes ont moins envie de sexualité, parce qu'elles ont plus peur des hommes, parce que finalement, elles sont... Euh, Pollué, entre guillemets, par la frange euh, féministe aujourd'hui de gauche, ou est-ce que c'est parce qu'elles veulent plus d'enfants ou pouvoir justement en avoir quand elles le souhaitent Parce que dans un cas, ça peut aller dans votre sens, dans l'autre, ça peut être une, une problématique. Bah écoutez, là, on n'a pas suffisamment de recul pour juger euh, véritablement la signification de ces comportements. Ce qu'il y a, c'est que ce qui n'a pas changé, là, ce qui s'est aggravé, c'est le climat, euh, l'ambiance générale qui n'est pas favorable à la maternité. Euh, ce que j'ai appelé le malthusianisme climatique, c'est on vous explique que, euh, comme dans les années 70, hein, au début de l'écoféminisme, les écrits de Françoise d'Aubonne, Le monde plein, euh, Trop d'enfants, La bombe les américains la, la bombe paix la bombe population la menace de euh, de submersion de la planète par un, un monde trop habité ce, alors, effectivement ce, euh, cette terreur du monde plein font que euh, L'enfant est présenté souvent comme une source de pollution, de nuisance, à euh, l'obstacle économique et au bien-être euh, du couple, euh, quand on n'estime pas que son bilan carbone est défavorable et que par conséquent, il vaut mieux ne, ne pas faire d'enfant. Il y a ça, il y a ça qui est très fort, très prégnant. Il y a aussi le désir effectivement de, de, de certaines jeunes femmes d'avoir euh, euh, plus d'enfants. Les familles nombreuses ont pratiquement disparu alors qu'elles étaient très fréquentes au, au lendemain de la guerre. Et on ne sait pas trop dans quelle direction les choses vont basculer, si ce n'est que comme il n'y a pas de politique familiale au sommet de l'État. Là, on peut parler. de on fait peut-être une transition avec ouais, les questions d'actualité. Comme euh, il n'y a pas de politique familiale, les incitations à la, à, à la maternité euh, euh, sont assez faibles. En tout cas, il n'y a pas de signaux euh, qui puissent être perçus par euh, la population familiale ou d'encouragement. Euh, depuis euh, maintenant, euh, effectivement, une trentaine ou une quarantaine d'années. Oui, parce que c'est vrai que ça nous amène aussi au point de la question sur la natalité et la démographie. Vous vous dites que c'est vraiment la, la statistique aujourd'hui qui, qui révèle le plus de choses. Et par rapport à l'actualité récente, ça peut aussi être une réponse à deux éléments. Le premier, c'est la réforme des retraites, euh, où on voit qu'il y a un manque d'actifs. Et le deuxième, c'est la question de l'immigration, où je vous avais entendu, je crois, c'était euh, chez un confrère du Figaro. Où euh, vous disiez déjà à l'époque, il y avait des débats à l'Assemblée nationale sur cette question de l'immigration Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'on voit que certains politiques sont capables d'anticiper, d'avoir une, une vue à long terme qui est nourrie par leur culture, enfin, ce qui était leur culture. Aujourd'hui, là aussi, le, le, le niveau de culture des, des élus s'est effondré. Euh, mais je parle des élus de l'époque. Je pense à Jean Foyer, qui fut le garde des sceaux du général de Gaulle, euh, et, à, et à bien d'autres. Euh, donc, on était à l'époque encore où, effectivement, je vous décrivais tout à l'heure, la démographie était un enjeu politique euh, majeur. Euh, parce que tout simplement, euh, par exemple, notre régime de retraite par répartition. Euh, C'était équilibré par euh, le nombre d'actifs et de cotisants euh, capables de supporter euh, les anciens salariés qui partaient, qui partaient à la retraite. Alors, tout le monde connaît la formule de tiers gouverner, c'est prévoir. Bah, nos gouvernements, depuis 40 ans, 50 ans, n'ont rien prévu, puisqu'ils ont abandonné toute politique familiale, et que ce danger, c'est-à-dire. Une modification du de, de taux de fécondité, du taux de natalité des femmes françaises allait avoir des conséquences économiques à moyen et long terme désastreuses. Lorsqu'effectivement s'ouvre le débat à l'Assemblée nationale sur la loi Veil, on est un an après l'élection de Giscard. Giscard a été élu. Il a éliminé au premier tour le candidat des Gaullistes, Jacques Chaban-Delmas. Mais il n'a pas dissous l'Assemblée élue en 1973, ce qu'il fait, qui se retrouve face à une majorité de gaullistes qui redoutent et qui n'adhèrent pas à, au libéralisme avancé qui est la doctrine giscardienne. Et donc, ça va être l'occasion d'une bataille, dans l'affrontement la, à la tribune de l'Assemblée nationale entre ces députés gaullistes qui ne veulent pas de la loi sur l'avortement. La, légalisant l'avortement, et qui vont développer à la tribune euh, les arguments qui leur paraissent être euh, les plus forts en faveur euh, d'un statu quo. Alors il y a ceux qui sont médecins et qui viennent, il y a des choses absolument étonnantes, d'ailleurs je pense à ce médecin qui s'appelait Roger Fett, euh, gynécologue, qui montre à la tribune avec un enregistrement des battements de cœur d'un embryon de quelques semaines. Vous voyez, ne vous racontez pas d'histoire. Là, on n'est pas dans le domaine de la croyance et de la religion, on est dans le domaine de la science la vie commence à la fécondation. Vous aurez beau euh, dialectiquement séparer, essayer de distinguer entre la vie humaine et la vie humanisée, nous expliquer euh, qu'un embryon n'existe qu'à partir du moment où la mère le désire et que la vie est une vie en relation et que cet embryon euh, n'a droit au statut humain que lorsqu'il est humanisé, c'est-à-dire accepté par la mère et et c'est toute la distinction qu'on fera par la suite entre fœtus authentique et fœtus tumoral, pour comparer le fœtus à une tumeur. Bon, les députés gaullistes montent à la tribune, utilisent chacun les arguments de, euh, de leur ordre euh, d'approche intellectuelle vis-à-vis euh, -vis de cette question, qui est une question évidemment centrale, qui passée beaucoup de la politique. À peu près tous évoquent le risque de dénatalité et relie ce risque de dénatalité, cette peste de la natalité, à la menace d'une submersion de nos mœurs, de notre identité, par l'immigration. Ce débat a lieu en novembre 1974. Nous sommes un an après l'apparition du livre de Jean-Raspaille, Le Camp des Saints, décrivant, comme vous le savez, l'invasion de la France par... Euh, 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 par des flottilles euh, débarquant des milliers et des milliers d'immigrés sur le littoral français. Tous les députés gaullistes, Debré, Jean Foyer, Pierre Bas, montent à la tribune avec ce thème, ce discours. On n'a pas encore à l'époque inventé. Le Concept de grand remplacement, il le sera par Renaud Camus au début des années 2000, mais l'idée du grand remplacement est dans toutes les têtes des députés conservateurs de droite euh, qui vont s'exprimer dans ce débat. Debray est le plus virulent. Il dit en, en pointant Simone Veil Madame, vous faites une erreur historique monumentale. Une erreur historique monumentale. Nous allons faire le choix de diminuer et de vieillir quand des peuples à nos portes font le choix de rajeunir, de croître et d'augmenter. Il pointe le déséquilibre qui est en train de s'instaurer entre les populations du tiers-monde, en l'occurrence le Maghreb, et les conséquences que vont avoir directement la loi de Simone Veil sur la natalité. Euh, donc, vous voyez, la, la prise de conscience, formidable. Hein On est, je vous dis, euh, 50 ans avant que la notion de. 25 ans avant que la notion de grand remplacement n'apparaisse et qu'elle qu s'installe dans, euh, dans le débat. Eh bien, ces députés voient ça. Et Simone avec une certaine mauvaise foi, bah, elle veut faire passer sa loi et donc elle considère que c'est un, un, un mensonge euh, mu par de bonnes intentions. Euh, dans son discours, euh, dénie toute. Corrélation, toute relation entre sa loi, la loi sur l'avortement qu'elle s'apprête à faire voter, et la chute de la natalité, et la diminution du taux de fécondité chez les femmes. Alors que dans les dis... pays de l'Est, on pouvait voir oui, que. Ben beaucoup... Voilà, exactement, elle sait très bien. Elle, elle est au sommet de l'État, les ministres de la Santé, elle a les chiffres de l'expérience des pays du bloc soviétique, qui dans les années 50 ont tous libéralisé l'avortement. Je pense à la Roumanie, à la Hongrie, à la Tchécoslovaquie. Immédiatement, la natalité plonge et les taux de fécondité des femmes reculent très fortement. Et voyant cela, constatant cela, ils font machine inverse au cours des années 60. Et on voit qu'en revenant à une loi très restrictive sur l'avortement, tous ces pays reconnaissent connaissent à nouveau un gain de. De natalité, une reprise de, de la démographie. Donc, Simone Veil est parfaitement informée de tout ça. Elle va quand même nier toute relation de cause à effet entre la loi qu'elle s'apprête à faire voter et la démographie et l'évolution de notre euh, compte de, de, de la natalité. Et les résultats, d'ailleurs, sont absolument implacables. <coughs> en 1973, il y a encore 857 000 naissances au cours de l'année 73. Trois ans plus tard, en 76, quand se font sentir les effets conjugués la première année de l'application de la loi Veille et des lois sur la contraception, les naissances tombent à 720 000. 857 720 000. 137 000 de moins. Le taux de fécondité passe de 2,5 à 1,8, 1,9. C'est un véritable effondrement. Et d'ailleurs, ce qui est très, très intéressant, c'est de voir que. Ben, il faut croire que le contrôle. De, il ne peut pas il y avoir de contrôle de naissance. Tout contrôle de naissance aboutit à une limitation de naissance. C'est-à-dire que ça conduit. La démographie française était nourrie par ce qu'on appelait les, les bébés-accidents, les, les enfants qu'on n'avait pas programmés. Ils euh, en voulaient qui, deux, ils en avaient trois. Ouais, voilà, qui n'est pas l'enfant qui obéit forcément ce qu'on appellera l'enfant de l'amour. Euh, mais la réalité, c'est quoi c est, c est, Les chiffres sont très intéressants, ce qui permet de bien comprendre les effets de la loi de Simone Veil. Quand on comparait euh, dans les années 50, il y avait déjà des instituts de sondage qui mesuraient la différence entre le nombre d'enfants désirés par les femmes et le nombre d'enfants obtenus. Alors, c'est de la statistique, donc ça aboutit au résultat un peu bizarre. Qui donnait dans, à la fin des années 50, chaque femme désirait 2,5 enfants, c'est-à-dire entre 2 et 3. 2,5, évidemment, c'est un concept difficile à, à imaginer en ce qui concerne les enfants, mais ça signifiait que voilà, leur désir se situait entre 2 et 3 enfants. Et quand on, euh, on leur posait la question euh, combien d'enfants avez-vous eu et bien elles répondaient. En gros, voilà, ben on en a eu, on en désirait de 5, on en a eu de, de 5. Pas de différence entre le nombre d'enfants désirés et le nombre d'enfants obtenus, sauf que l'ancienne contraception, qui était moins fiable que la contra contraception chimique et, et ou le stérilet qui va s'imposer par la suite euh, rendait la programmation difficile. On avait les enfants que l'on voulait, mais oh pas bon forcément non, non, non. au moment où on les aurait voulu. Voilà. voilà mais il y avait globalement satisfaction puisqu'il y avait parfaite adéquation entre le nombre d'enfants désirés et le nombre d'enfants obtenus. Avec les lois contraceptives et la loi Veil, ben le verdict est terrible. Toujours 2,5 en ce qui concerne les enfants désirés, 1,8 en ce qui concerne les enfants obtenus. C'est-à-dire que qu'on a éradiqué toute cette, 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 cette sédimentation, cette couche d'enfants euh, accidents euh, qui faisait la vitalité euh, euh, de la démographie euh, française, et que globalement, finalement, il y a une insatisfaction puisque les femmes n'obtiennent plus, même si elles veulent contrôler leur fécondité, le nombre d'enfants. En raison de l'état d'esprit, du désir. changement de comportement aussi. Oui, et puis en raison du fait que finalement, la pratique euh, du contraceptif, le recours à l'avortement, fait que ce qui était effectivement les bébés a, a priori non désirés, et qui une fois là étaient acceptés, chéris et aimés autant que les autres, euh, ont, ont disparu progressivement. Et il y a cet, effectivement cet effet que tout contrôle de naissance, avec aujourd'hui les moyens contraceptifs dont on dispose, aboutit à une limitation des naissances, c'est-à-dire à une situation qui n'est pas la réalisation et l'accomplissement du projet qu'avaient les femmes en se mettant en couple ou en se mariant. Pour autant, d'ailleurs, vous, vous citez ce chiffre pour montrer que la contraception qui au début était vue, vous parliez de De Gaulle, euh, comme un moyen de limiter l'avortement, en fait, dans les faits, je crois, on est à 70% des avortements qui sont pratiqués par des femmes qui ont recours pourtant à la contraception. Et exactement, je vous parlais du fiasco de la loi Veil, c'est bien là. Hein. 72% des femmes qui se font avorter aujourd'hui ont été des femmes sous contraception. Soit elles ont renoncé à la contraception parce que les produits chimiques, c'est trop lourd, trop contraignant, ça demande une discipline personnelle, soit elles ont oublié de prendre ce, leur pilule. Vous euh, voyez, la contraception mène à l'avortement. Euh, l'avortement et les services après-vente de la contraception. Donc avant on disait, il ben, y a les avortements parce que les femmes n'ont pas recours à la contraception. Aujourd'hui on a la pilule de la veille, de l'avant-veille, du surlendemain, on a la pilule abortive. Euh, enfin les moyens de contraception euh, sont euh, multiples et le nombre d'avortements depuis 40 ans n'a absolument pas changé. 200 000. Deux fois plus qu'en Allemagne. C'est une spécificité française. Personne ne le dit. Il ne faut pas en parler. C'est le nouveau sacré. Ce devant quoi on doit abdiquer de tout esprit critique, renoncer à essayer de comprendre pour dire c'est bien, c'est l'émancipation, ça va dans le bon sens. Vous voyez, on est bien sorti de, de l'âge des Lumières qui faisait de l'esprit critique l'outil contre la religion, puisque ceux qui ont porté les prohésistes qui ont... Porter euh, la philosophie des Lumières, on vient d'abdiquer de tout esprit critique. Vous voyez, c'est un sujet dont on ne discute pas. D'ailleurs, on va sacraliser, sanctuariser euh, la loi euh, sur l'IVG en la faisant inscrire dans la Constitution. Euh, c'est un objet de croyance. On est dans la croyance religieuse là. Vous voyez, puisque il n'y a, a plus part au raisonnement, à, à l'esprit critique, à l'approche politique du problème. On pourrait se dire, mais pourquoi pourquoi 200 000 toujours Pourquoi ce, cet invariant depuis depuis 40 ans qui est vraiment une spécificité française Mais non, c'est un sujet tabou. Le plus grand tabou aujourd'hui, vous le savez, c'est cela. Ça m'amène justement une question un peu d'actualité. Vous savez, il y a un projet de loi sur l'immigration, en tout cas qui est en train d'être, qui veut surtout être découpé par Emmanuel Macron. Et effectivement, la question de la natalité se pose pas. Euh, ma question c'est suivante. Vu que vous, vous regardez beaucoup les chiffres, est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore possible justement d'éviter euh, qu'il y ait un grand emplacement définitif en justement relançant une vraie politique nataliste ou est-ce qu'en fait, les chiffres font que ça ne l'est plus Alors. Et surtout, il y, 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 y a deux choses à dire. Est-ce qu'on peut relancer qui... une natalité d'un pays qui, depuis longtemps, euh, a une natalité trop faible C'est ça aussi. On voit le, le, la Russie, ils essayent de faire leur maximum depuis des années, c est, c est, ils n'y arrivent pas. Oui, mais la, la Hongrie y est arrivée. Même l'Allemagne a réussi à redresser son taux de fécondité. Un pays comme la Hongrie y est arrivé. La politique d'Orban a permis effectivement ce redressement démographique. Alors, plusieurs questions dans votre question. Je vais essayer d'y répondre. Euh, Macron, qui venait d'être réélu, avait donc une grande liberté que lui donnait ce deuxième mandat. C'est qu'à terme, il n'y a pas la sanction du suffrage universel. Il peut donc faire la politique qu'il estime, dans le long terme, la politique bonne. Pour les intérêts de la France, la politique conforme à la notion qu'on appelle l'intérêt général et chez les chrétiens le bien commun. Bon, il a les mains libres. Au lieu de la réformette que tous les gouvernements font tous les 5 ou 10 ans pour équilibrer le régime des retraites par répartition, euh, tant qu'ils ne sont pas changés de régime, ils ne sont, sont pas passés à un régime par capitalisation, par répartition, il faut des cotisants, c'est toujours le même problème. Et tous les 5 ans, 10 ans, on fait une réforme, on essaye de la faire la moins douloureuse possible, et on augmente le nombre d'annuités ou le nombre. Euh, euh, l'âge légal de départ à la retraite, de manière à procéder à des ajustements. Macron, qui avait les mains libres politiquement, aurait pu. Changer de temporalité politique. L'élu, l'algérant démocratique, il est dans le court terme. Il voit la rentabilité électorale, la productivité électorale. Qu'est-ce que ça me rapporte Quelle voie je vais pouvoir gagner avec telle politique D'ailleurs, on a, on a bien vu à partir d'un certain moment, des années 70, euh, c'est ça qui prévaut c'est que les politiques ne veulent plus investir à long terme, c'est-à-dire L'investissement dans le capital humain, c'est 20-25 ans. Pour que l'enfant né arrive en âge d'être sur le marché du travail, c'est même plutôt aujourd'hui 25 ans, 23 ans euh, que, que 20 ans. Investissement sur le long terme. Mais on reconnaît les conséquences économiques et les bienfaits pour la société. Il n'est de richesse que d'hommes, disait Baudin il y a déjà fort longtemps. Bon, sur la Quatrième République, à la fin on a fini par faire ça. En on piquait l'excédent de la caisse d'allocation familiale pour financer le déficit des autres caisses de la sécurité sociale, assurance maladie, vieillesse, chômage. On voulait des résultats à court terme qui plaisent à l'électorat sans se préoccuper de ce que serait la France dans 20 ans ou dans, ou dans 30 ans. Bon, Macron, il a la possibilité de changer de temporalité, temporalité politique, de passer euh, du temps court de l'individu au temps long de la nation, de la communauté, du bien commun. Il ne le fait pas. Il fait une réformette, comme Sarkozy avait fait une réformette en 2010, comme Fillon avait fait une réformette en 2003, des ajustements qui soient euh, le moins douloureux possible pour la population. Et on voit bien d'ailleurs que même ces ajustements ne passent pas, au lieu de lancer. La grande réforme de fond qui serait effectivement de remettre en place une grande politique familiale. Précisément, par exemple, de rétablir tout ce qu'a supprimé Hollande euh, avec le passionnement des euh, allocations familiales ou du quotient familial. Hein, Hollande, on a pu dire que la seule courbe qui n'est jamais inversée, c'est celle de la natalité. Euh, c'est vrai. Euh, donc une grande politique familiale dont on connaît les effets mécaniques. Les effets mécaniques, c'est que vous mettez de l'argent à la politique familiale, vous avez un redémarrage. Euh, du nombre de naissance et du taux de natalité euh, ouais, à condition, le fond, qu à condition que cette aide soit sérieuse quoi l'allocation de salaire unique en 45 pour les familles ouvrières la, la, la fille qui restait au foyer pour élever ses enfants la mère c'était l'équivalent d'un SFIC ouvrier c'était en, en gros on dirait aujourd'hui 1200 1300 euros ah voilà c'est dit bah oui bah c'est un appoint pour le euh, pour le couple donc euh, c'est incitatif et le, le baby boom s'explique parce que l'État a mobilisé des moyens financiers très importants. Même Vichy, qui, avec le, le famille dans la famille et la devise, la, le travail famille patrie au cœur de la devise de, de Vichy, la préoccupation familiale les préoccupe, comme elle préoccupait le gouvernement de Front Populaire qui, en 1938, fait paraître le code de la famille. Et ils vont faire un effort financier considérable, alors qu'ils doivent euh, à l'occupant allemand euh, des sommes très importantes, et ils lancent cette allocation de salaire unique. La, le Conseil de la Réissance et de Gaulle reprend tout, et même amplifie la politique de Vichy au bénéfice de la famille avec les résultats qu'on sait. C'est-à-dire, eh moi je suis. Euh, à enfant du baby-boom, des naissances qui frôlent les 900 000 par an et qui représentent là, un taux de natalité de 12 points ou 13 points supérieur à celui que nous connaissons aujourd'hui. Donc quand on met l'argent dans la famille dans une politique démographique, il y a un retour sur investissement. Mais le retour, il se fait à 20 ans ou 25 ans. Et le, le gérant démocratique, il dit, bah, c'est pour mon horizon, moi je suis parti à ce moment-là, ça ne m'intéresse pas. Hein. Euh, c'est toute la différence avec euh, ce qu'étaient les familles royales, puisqu'on transmettait le pouvoir de, de, de père en fils et on était soucieux de, du patrimoine et, et, et de l'état du royaume qu'on qu allait transmettre. C'est une autre mentalité, on est sur le court terme. Ben Macron ne fait pas. Alors il, il pourrait, euh, à cette occasion, apporter la démonstration qu'il était euh, à la hauteur du destin politique qu'il a, euh, qu a revêtu, en, en prenant effectivement des mesures qui traitaient le problème à long terme. Non, on est dans la réformette. Voilà. Et donc, euh, vous me posez la question d'immigration. J'entends dire, euh, c'est une objection qui m'est souvent faite, Patrick Buisson, il est bien gentil que c'est de la politique familiale, nous expliquer que la démographie, c'est le destin des peuples. Euh, je ne suis pas le premier. Euh, j'espère ne pas être le dernier non plus, mais est-ce que faire une grande politique familiale, ça ne va pas d'abord bénéficier à l'immigration, puisqu'ils ont un taux de fécondité supérieur au nôtre. Bon, je vais remarquer que le taux de fécondité des femmes venues du Maghreb... Qui part de 3, 7, 3, 3 5, euh, ne cesse de baisser à mesure qu'elles sont, elles sont racines dans le territoire national et s'alignent sur les mœurs et les comportements euh, des Français de souche, on va les appeler comme ça. Mais surtout, il est bien évident qu'une telle politique familiale devrait ou devrait être menée par la suite dans le cadre d'une réforme fondamentale qui serait la suppression du droit du sol et le rétablissement du droit du sang. Oui. Alors oui, si on veut une politique efficace qui fasse qu'on rétablisse le rapport de force démographique, euh, qu'effectivement euh, qu'on arrive à avoir un taux de fécondité euh, supérieur ou au moins égal à celui euh, des familles d'immigrés, bien sûr que ce soit s'accompagner d'une politique d'ensemble, sinon ça n'aurait pas de ça n'aurait pas de sens. J'ai une question justement sur la question de la, la réforme des retraites. Euh, vous savez. Euh, on ne peut pas, vous, Patrick Buisson, vous suspecter d'être du côté de ceux qui défendent l'élite contre, contre les peuples. Et en même temps, sur la question de la réforme des retraites, en tout cas du report de l'âge légal de départ, vous vous êtes pas, je crois, je vous ai vu chez BFM TV, euh, devant Apolline de Malherbe. Ça ne vous dérange pas plus que ça, même si vous considérez qu'il faudrait faire une réforme différente Ce que je veux dire, c'est que ma question, elle arrive sur Marine Le Pen. Euh, il y a cette idée, aujourd'hui, qui est que si on ne défend pas. Euh, la retraite à 60 ans, ça veut dire que on ne prend pas en compte les aspirations du peuple. C'est une critique qui est faite Alors, à la droite, qui est faite à Eric à, à, à Zemmour, qui pourrait peut-être vous être faite. Après, bon, c'était lors d'une émission de BFM, donc il y a toujours un, un temps limité. Mais, mais qu'est-ce que vous pensez un peu de cette prise en otage de la question sociale sur quelques mesures Alors, si vous voulez, pour essayer de répondre à, à cela. Euh il y a plusieurs choses qu'il faut considérer. Moi, je ne me suis pas prononcé pour ou contre Bien la sûr. réforme. J'ai fait simplement un constat et j'ai dit c'est pas la peine de s'agiter, de gesticuler, de manifester. Les retraites d'années qu'on a perdues, ce sont les enfants qu'on n'a pas eus. La démographie est la seule science humaine exacte. Elle repose sur des chiffres, sur des statistiques qui sont indiscutables. Nous payons le prix de cette démission politique qui a été l'abandon de la politique familiale par Giscard, car je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'était important. Loi, au moment de la loi Veil, Simone Veil monte à la tribune pour essayer de convaincre les députés gaullistes et prend l'engagement de lancer une grande politique familiale, mais dans un texte distinct, pour aider les mères en détresse, dans la situation difficile. Elle dit, mais il y aura une loi complémentaire que je vous présenterai. Oui. Euh, je, je ne suis pas insensible à la question démographique. Euh, la jeunesse pour la France est un enjeu majeur et nous ferons une grande loi pour aider les familles. Cette loi n'est jamais venue. Jamais. Ce qui était annoncé comme le complément pour, euh, euh, j'allais dire, euh, désamorcer les cas de conscience des députés de droite. Euh, comme l'a été par exemple la volonté de Simone Veil de faire adopter cette loi ad experimentum, C'est-à-dire, on se revoit dans 5 ans, il y a une clause de revoyure. Donc vous pouvez voter euh, en, en, en toute paix, euh, en toute liberté d'esprit, ça ne vous prendra pas de conscience, puisque vous aurez la faculté de revenir dans 5 ans si vous estimez que cette loi n'a pas réussi. On sait très bien quel est l'engrenage qui s'enclenche se, euh, à ce, à ce moment-là. Donc pas de loi euh, sur la famille euh, il y a cinq ans. Donc nous n'avons pas prévu, nous payons les conséquences effectivement euh, de cette imprévision, de cet impéricide, de ce refus de prolonger la politique familiale. Donc la réalité, elle est là. Alors maintenant, euh, l'autre aspect de votre question, c'est de dire... Euh, ah, finalement vous vous retrouvez sur des positions libérales et que vous vous démarquez ainsi de Maine-Le Pen. Je vais vous faire observer quelque chose qu'on souhaite accompagner et avoir une véritable politique de justice et de redistribution sociale qui permette... Effectivement, aux Français de souche, de conditions modestes, de voir que l'argent de l'État euh, ne va pas toujours au même, c'est évidemment absolument fondamental. Mais il y a une volonté purement démagogique, hélas, il faut bien le dire, euh, d'accompagner certaines revendications légitimes, ça n'empêche pas qu'elles soient légitimes, mais. et de ne pas faire l'analyse de fond. L'analyse de fond, c'est que. Ah, le peuple français, il est entré dans cette ère de transition démographique parce qu'il l'a voulu. On ne va pas exonérer le peuple français des choix qu'il a faits. Je suis toujours agacé quand, vous voyez, cette de cristallisation autour de l'islam, autour de la montée en puissance du, des musulmans. Dieu sait si je ne suis pas un limite, Dieu sait si je veux défendre ce que fut la civilisation de de ce pays et le droit à la continuité historique de ce peuple. Mais ce ne sont pas les musulmans qui ont vidé les églises, ce sont les Français qui ont cessé de les fréquenter. Ce ne sont pas les musulmans qui nous ont empêchés de faire des enfants, qui ont fait que les, les Français, les Françaises ont arrêté la reprogrammation de la vie. Il y a une parfaite corrélation entre le colapsus démographique, le crack démographique qui commence à partir de 65 et qui est accentué par la suite, et la perte de croyance religieuse, de la foi religieuse. Pierre Chonul l'a montré dans toutes ses études. Les deux courbes se suivent. Moins on croit en l'au-delà, moins on croit dans une vie après la mort, plus on est ramené à nos propres destinées individuelles, l'individualisme hédoniste, moins on fait d'enfants. Parce que l'enfance, c'est un acte d'espérance. Dans la vie et dans la vie d'après la vie, c'est-à-dire une surdurée qui transcende nos destinées individuelles. Et tout ça, les Français l'ont choisi. Personne ne les a contraints à ne plus faire d'enfants, à faire moins d'enfants. Le grand démographe Sauvy, qui était titulaire de la chaire de démographie au Collège de France, l'a dit, sans employer le mot de remplacement un peuple qui sous-traite la fabrication d'enfants aux populations émigrées est un peuple qui consent à sortir de l'histoire. Et alors là, donc, les conséquences de, des choix qui ont été faits, finalement, euh, on voudrait, par démagogie, dire oh, « ne vous inquiétez pas, on va bricoler ». Alors, soit on change de régime, soit on dit la vérité aux Français. Je considère que Marine Le Pen ne dit pas la vérité aux Français. Elle accompagne leur déclin. Voilà. Au, lieu de, euh, au moins de poser les problèmes en disant bah, « nous payons les conséquences des choix qui ont été faits ». Alors certes, il faut tout faire pour que euh, les catégories populaires puissent partir à, à la retraite dans les meilleures conditions et le plus tôt possible, surtout pour les, les, les travaux pénibles, mais aussi, il faut avoir une vision historique de ce qui s'est passé et ne pas accompagner par pure démagogie, si vous voulez, euh, ces, ces revendications qui, au fond, euh, euh, ne sont que le prolongement à la conséquence. Des renoncements qui ont été ceux du peuple français. C'est facile de s'exonérer de toute responsabilité dans ce qui s'est passé. en dit, regardez, c'est la faute des autres, l'immigration, aujourd'hui, la prégnance de l'islam en France, le fait qu'on parle plus du ramadan bientôt que des fêtes de, de Pâques, par exemple, la, la, la collision des, des deux. Euh, à, je regardais les commentaires, c'est sidérant. Mais tout ça, nous l'avons voulu. Nous y avons consenti. Et donc, dire au peuple, ce n'est pas vous qui vous êtes trompé, c'est juste vos gouvernants, il y a un bloc élitaire. Et c'est vrai que le bloc élitaire, c'est totalement voyez Mais porter la responsabilité, de la l'intégralité de la responsabilité sur ce bloc élitaire, c'est mentir. Nous sommes un peuple qui a commencé à sortir de l'histoire en arrêtant de reprogrammer la vie. Et quand on arrête de reprogrammer la vie... On arrête de pro programmer sa culture, ses traditions, on ne transmet plus. Et c'est bien le crime de ma génération, des boomers. Nous avons tiré l'échelle. Nous avons fait comme si nous procédions de l'auto-engendrement. Il n'y avait pas de génération avant nous, la désaffiliation, nos pastes, et puis nos futurs. On ne se préoccupe pas de ce sera ah, le sort des Français dans 50 ans ou un siècle. On sera plus là. On sera plus là. Toute cette génération euh, a, a profité des, euh, des bienfaits de la paix, de la postérité. Elle a en même temps congédié la transcendance. Elle a répudié, elle a enlaidi le monde. Euh, le bon, c'est quoi C'est la condition de la vie intérieure. Tout le monde connaît le mot de Bernalot sur la conspiration du monde moderne contre toute forme de vie intérieure. Eh bien, c'est bien ça. C'est cette génération qui s'en est rendue complice. Et qui, est, qui a fait de la jeunesse, non pas une catégorie d'âge, mais une catégorie d'être. Le spectacle des, 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 des bikers, des, des vieux motards de 70 ans, euh, sur leurs engins accompagnant la, la dépouille de, euh, de Johnny, avec quelque chose de pathétique. Hein. Ils auraient pu mettre en bande-son une chanson de Johnny Hallyday, Pour moi, la vie va commencer. Ils sont éternellement jeunes. Et ils ont consommé. Ils ont. Euh, s'aborder l'héritage de la génération de leurs parents, et puis, après moi, le déluge. C'est bien le message qu'ils nous envoie. Alors, si on n'est pas capable de faire cette analyse, si on ça, se contente d'accompagner des revendications populaires justes, légitimes, mais sans leur expliquer ce qui s'est passé, sans leur dire, ben, écoutez, un pays fort, un pays rayonnant, ça ne se fait pas tout seul, ça se fait avec les Français. Ça se fait avec vous. Et donc il faudrait peut-être un jour ou l'autre en prendre conscience et mettre en place un dispositif politique qui permette une renaissance française, une renaissance culturelle indissociable de la renaissance euh, euh, démographique. Voilà, une nation qui a une forte démographie est une nation heureuse. La France des années 50 était une France heureuse. Et puis il y a dans le parti pris, ce que le catholicisme appelle la culture de mort, c'est-à-dire de faciliter euh, toutes les techniques contraceptives, surtout l'avortement, euh, il y a un renoncement à la vie. Euh, il y a quelqu'un qui n'est pas connu ni aimé dans nos milieux, qui était un vieil anna, qui s'appelait Léo Ferret, qui était un chanteur. Euh, euh, la gauche projetait sur Ferret euh, quant, quantité de fantasmes. Il, il incarnait la révolte libertaire de mai 68, d'une certaine manière. Mais il avait des, aussi des commentaires absolument sidérants. Moi, je me souviens de cette phrase de Ferret. J'étais ouais, un, un, un jeune homme qui a pris le contre-pied, qui apparaît aujourd'hui comme un, un réat terrible. Les féministes le détestent, hein, parce que euh, lui, il enfermait la femme dans, dans son destin euh, maternel. Euh, et, et, et je me souviens de cette phrase, euh, qui a euh, à, à rebours et à contre-pied de, de tous ceux qui l'adulaient. Alors, moi, l'avortement, comme Pasolini, hein, chrétien de Marxiste, euh, même position sur l'avortement. Ferret disait Non, non l'avortement, je ne peux pas. Ce oh n'est pas possible. Je ne peux pas le mettre ça. Voilà. Euh, J'ai, excusez-moi pour la vulgarité, mais c'était son expression J'aurais toujours peur que ce soit Mozart qui parte par la cuvette des chiottes. J'aurais toujours peur que ce soit Mozart qui parte par la cuvette des chiottes. Ben oui, euh, la génétique, c'est une loterie, et combien de Mozart on a sacrifié depuis 50 ans alors si ce n'est pas des Mozart, euh, c'est peut-être des génies dans d'autres domaines. Euh, quand on prend le parti de la mort, ce bon, c'est pas ce qu'on élimine. Voilà. Euh, peut-être des gens, euh, sont, la masse de gens qui auraient une, une, une vie modeste, et puis aussi quelques génies, quelques grands créateurs. Euh, euh, bon, raconter une autre histoire et, et dire aux Français, mais en fait, tout va bien, vous êtes dans le, bien dans le vrai. Euh, on va essayer de trouver des remèdes. Ça, ça relève de la gouvernance. C'est utile. C'est même très important. Je ne suis pas le bourgeois qui regarde de loin euh, la difficulté des, euh, des classes euh, laborieuses ou, ou, ou des catégories populaires. Euh, D'abord, je considère que la vraie misère est invisible. Elle est silencieuse. La vraie misère, c'est celle des êtres qui sont totalement abandonnés. Le fœtus, l'handicapé, le vieillard, la veuve avec sa petite pension. Cela, ils ne votent pas, ils ne consomment pas, ils n'intéresse personne. Sauf euh, le catholicisme, qui est la religion des béatitudes. Ils n'intéresse personne, ce n'est pas un enjeu. Donc on peut faire avec eux ce qu'on veut, y compris la maltraitance. Maltraitance dont on ne parle pas. Il a fallu attendre il y a deux ans. Aucun journaliste nous révèle ce qui se passait dans les EHPAD. Là, j'ai cru comprendre que ça ne se passait pas toujours bien dans les crèches. Parlons pas de ce qui se passe avec les handicapés, mais on n'en parle pas, ça n'intéresse personne. Donc, cette parenthèse refermée, si vous voulez, sur euh, 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 la, la vraie misère, euh, moi, je, je conçois très bien et j'approuve que le milieu populaire demande à profiter de la vie avec une espérance de vie plus faible, généralement, que les classes supérieures, que les classes dominantes. Mais il faut leur expliquer pourquoi on en est là. Si on n'explique pas, si on ne remplit pas son rôle de politique, le politique doit porter un projet politique. Défendre le pouvoir d'achat, ce n'est pas un projet politique, c'est un acte de gouvernance. Tout le monde est pour, de Mélenchon à Marine Le Pen en passant par euh, euh, toutes les nuances du spectre politique qui peut être contre. Euh, même que tout le monde veut un service de, de santé euh, publique performant, tout le monde est contre le chômage. Ce ne sont pas des projets politiques, ce sont des axes de gouvernance. C'est le choix que fait tout le monde. Voilà, le projet politique, bah, c'est ce que portait euh, 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 le Front National il euh, y, a, y a 20 ans. La défense du droit à la continuité historique du peuple français. Ça, c'est un projet politique. Or, il se trouve que c'est le sujet dont Marine Le Pen, aujourd'hui, parle le moins. Voilà. Moi, j'ai aucune animosité à l'égard de, de Marine Le Pen. J'essaye simplement de faire une analyse politique. Il se trouve que euh, j'ai une formation d'historien, mais que je l'utilise à écrire des livres où j'explique ça, où j'essaye de faire comprendre quelle est la cause originelle. Si on ne remonte pas à la cause, on a très peu de chances de trouver la solution. Très peu. Donc, si on ne réfléchit pas sur cette déconstruction, chacun a le mot à la bouche, pourquoi et comment elle s'est produite, le lien entre le collapsus démographique et le crack de la foi est absolument évident. Hein. Ce sont les sociétés où il y a un investissement sur le long terme, sur la surdurée, sur une vie après la vie, qui sont les plus prolifiques, c'est une certitude. Si on ne réfléchit pas à tout ça, on ne comprend pas. Ce qui s'est passé et on n'est pas capable de proposer euh, aucun remède à, à la situation présente. Ça m'amène justement à ma dernière grande question. Euh, c'est en général les questions qui vous plaisent le moins, euh, mais qui sont euh, qui sont importantes parce que c'est la politique, c'est aussi une affaire d'hommes. Donc c'est la question des hommes. Et je vous la pose parce que vous étiez venu chez nous il y a un an ou un an et demi déjà, et vous aviez eu cette, cette finesse en novembre ou décembre 2021 de déjà prévoir un peu ce qui allait se passer entre par rapport avec Zemmour, la question du vote utile, l'accession de Marine Le Pen au second tour, mais son élimination, c'était assez fin, j'invite nos auditeurs à aller le, le, le revoir. Et donc aujourd'hui, c'est l'occasion aussi de, de parler un peu des hommes. C'est-à-dire que vous avez dit, j'ai vu dans, dans la presse que Marine Le Pen ne pouvait pas être élue. En même temps, vous faites... Aussi le, la remarque qu'Emmanuel Macron a un électorat qui, euh, parfois, est plus à droite sur les questions régaliennes que l'électorat du Rassemblement National. Il y a la question aussi d'Éric Zemmour, parce que vous voulez une, aussi une logique d'alliance des droites, donc qu'il a porté. Après, ce n'est pas parce qu'on porte un projet que euh, ça fonctionne, parce que c'est justement une histoire d'homme. Vous, quelle est votre vision au niveau de la, la, de la politique sur les, les, les mois qui viennent, les élections européennes, le, le, la reconfiguration en ce moment Alors. Euh... C'est très large, mais je... Oui, je vais essayer de vous donner quand même quelques éléments de, de réponse. Moi, j'essaie en politique d'éliminer les affects. J'ai connu Eric Zemmour il y a 30 ans. C'est même moi qui l'ai fait débuter à la télévision, dans les émissions de LCI auxquelles je participais, que j'avais créé. Donc Eric Zemmour est un ami de 30 ans. Voilà, pour reprendre une formule euh, consacrée. Je n'ai pas les mêmes rapports avec Marine Le Pen. J'avais des rapports différents avec son père, un homme cultivé, et qui avait certes beaucoup d'inconvénients, mais j'ai eu aussi le courage d'être un prévoyant et de voir avant tous les autres ce qui allait se passer. Je montre la convergence d'ailleurs entre les positions des gaullistes, ça paraîtra sacrilège et scandaleux, et celle de Le Pen lorsqu'il crée le Front National, la question de la démographie est centrale pour les deux. Bah, Le Pen, c'est une autre génération. Elle n'a pas la même culture, elle n'a pas la même sensibilité. Moi, j'essaye de raisonner en termes politiques et de comprendre ce qui est en train de se passer. J'avais euh, un grand doute sur euh, euh, l'impact fiel de la candidature d'Éric Zemmour, ce qui fait que je n'ai pas participé à sa campagne. En revanche, lorsqu'il euh, est venu au Sabdalon, qui est aujourd'hui ma ville d'adoption, dans laquelle je chez mes livres, qu'il m'a téléphoné avec Philippe Duvillier pour me dire Patrick, on vient chez toi dans 48 heures pour défendre de la statue saint michel euh, qu'un jugement euh, du tribunal prétend faire euh, enlever au Sable de Lannes. On serait heureux de te voir, de, que tu sois à nos côtés et, et déjeuner tous les trois ensemble. Ben, J'ai dit oui, parce que je pouvais dire que oui dans ce sens qu'il venait défendre un symbole de chrétienté, que ce sont des amis l'un et l'autre, on se connaît effectivement de, depuis les lustres. On a essayé de, de penser des, aux solutions de rechange, à une époque où on était régulièrement ensemble, et on, le, fameux, la, le fameux trio de la Rotonde, on se voyait dans ce restaurant parisien qui allait être celui d'Emmanuel Macron par la suite, Bon, mais il était naturel que je sois aux côtés de Éric Zemmour et de Philippe de Villiers euh, ce jour-là. Euh, J'essayais de voir et de comprendre ce qui se passait. Je pensais, et je l'ai dit à Marine Le Pen, qui a sollicité mon conseil, qu'elle avait les réserves à droite, qu'il fallait les chercher, qu'il y avait des préventions culturelles à son égard dans ses milieux de droite, la droite conservatrice, et qu'il fallait qu'elle... Donne un certain nombre, délivre un certain nombre de messages en direction de cet électorat. Je pense qu'elle. J'ai pensé qu'elle l'avait compris. Et finalement, l'apparition règles Zemmour dans l'offre politique a fait qu'elle a pris le chemin radicalement inverse. Elle a tenté d'aller chercher à gauche des réserves électorales, qu'elle a en partie trouvées, mais qui sont insuffisantes pour lui permettre d'être élu. En partie trouvées, parce que c'est vrai qu'il y a un grand remplacement de l'électorat du FN, du RN, pardon, excusez-moi. Euh, ce n'est plus euh, le petit peuple patriote qui occupe une position prépondérante. Il est peu à peu remplacé par euh, les fonctionnaires territoriaux de catégorie c, la fonction publique hospitalière, etc., qui votent Marine Le Pen, ce n'était pas le cas auparavant. Euh, et donc, cette nouvelle électorat n'a plus les mêmes préoccupations question d'identité, sécurité. Sur l'immigration, si, mais juste à travers l'accès. Euh, euh, aux allocations que délivre l'État-providence. Voilà. C'est pour eux le, 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 le seul enjeu. Donc elle a eu ce renfort, qui n'est pas une, vraiment une progression au premier tour, mais une substitution d'électorat, Zemmour en prenant une, une partie. Euh, mais au second tour, ça fait deux fois qu'elle essaye de tendre la main à l'électorat mélenchoniste, et qui est totalement réfractaire, puisqu'il n'y a pas plus de 17 ou 18% des électeurs de Mélenchon qui ont voté pour elle au deuxième tour. Donc, les réserves électorales, le vivier de croissance n'est pas là. Marine Le Pen le croit. Elle se trompe Je pense que c'est une impasse. Alors, une impasse, ce pas parce que j'ai le sentiment, etc. C'est parce que depuis 30 ans, 40 ans, j'étudie les rapports de force électoraux, que j'ai travaillé un peu la sociologie électorale. Mais Je vois qu'il n'y a pas de réserve de ce côté-là. Et, et, et comme ça correspond plutôt à la sensibilité de Marine Le Pen, l'apparition de Zemmour lui donne le bénéfice d'une extrême droite qui la repositionne et la recentre sur l'échiquier, je pense que ce n'est pas la bonne stratégie, euh, alors que euh, envoyer des signaux à la droite lui permettrait euh, d'abord d'attirer de les électeurs de droite qui sont très nombreux. Vous soulignez tout à l'heure qu'il ne faut pas limiter la droite aux 12% que totalisent Zemmour et Pécresse. Il faut y ajouter les trois quarts des électeurs de Macron, des 9 800 000 voix de Macron au premier tour, cet électorat s'est considérablement droitisé, vous le soulignez en m'interrogeant, euh, les motivations du vote sont celles qu'on retrouvait il y a 10 ans ou 15 ans parmi les électeurs du Front National. Donc euh, les réserves, elles sont là, elles ne sont pas à gauche, elles sont là. Il faut donc s'adresser à ces électeurs-là. Si elle attirait des électeurs de droite, elle aurait en plus la solution au problème qui est le sien, c'est qu'elle fait là aussi l'erreur de jugement. La dédiabolisation l'a conduit à une sorte de grande braderie programmatique. Elle a renoncé à la, renon renon à la renégociation des accords de Schengen, et, euh, à la réforme de la Cour européenne de justice. Elle continuera comme ça, ça n'arrêtera pas. Elle pense que euh, donner des gages politiquement, c'est renoncer à tout ce qui faisait l'identité du rassemblement national, et le meilleur moyen de s'intégrer au système. Elle se trompe. Ce n'est pas la radicalité. Qui effraie cet électorat de droite? La preuve, les circonscriptions les plus bourgeoises ont voté, Zemmour. Ont voté pour Zemmour. Il y avait effectivement un discours plus radical que celui de, de Marine Le Pen. C'est l'absence de crédibilité politique. Les Français savent qu'elle n'a pas d'équipe de gouvernement autour d'elle, qu'elle n'est pas en situation de gouverner, d'aptitude à gouverner. Or, si elle allait chercher ses voies de droite, elle attirerait en même temps les cadres de droite, vous savez, comme sont les hommes à partir du moment où la perspective de victoire se déciderait de ce côté-là, elle pourrait former les équipes pour gouverner, parce qu'elle aurait des ressources humaines adaptées à ce projet. Or, elle fait un choix inverse. Donc, sur la base de ce que je sais de l'histoire, de ce que j'ai observé. L'histoire nous apprend des tas de choses, il suffit de, effectivement de, de, de l'étudier. Euh, des rapports de forces électoraux, de l'évolution sociologique des électorats, de, des déterminants du, du vote de chacun, j'ai fait ce diagnostic. Pas pour faire l'appel à Marine Le Pen, mais pour essayer, il m'est arrivé de faire quelques analyses qui se sont trouvées vérifiées par les événements. C'est même la raison de ma rencontre avec Nicolas Sarkozy. Je lui avais dit que le non allait l'emporter au référendum sur la Constitution européenne au moment où tous les sondages donnaient le oui vainqueur à 60 Je lui ai dit que le non l'emportera à 55 Voilà pourquoi, voilà comment. Sarkozy en a été bluffé. Et le soir du référendum, m'a appelé en disant j'ai besoin d'un type comme vous pour m'aider à, à conquérir la présidence de la République. Je me parfois trompé mais finalement beaucoup moins que celle des que les autres politologues et il m'arrive de voir encore d'avoir suffisamment de, de, de pertinence et de culture historique et sociologique pour observer ce qui se passe. Ben, le Pen pense que le fait d'avoir 89 élus, de jouer la stratégie de la cravate, je l'ai dans une formule, j'ai peur que ça s'achève en ne coulant dans la mesure où L'antiparlementarisme qui est en train de croître dans le pays au spectacle de l'Assemblée ne fera pas le tri. Euh, il fera pas de différence entre M. Luc Boyard et, et le député à cravate du Rassemblement national, qu'on n'entend d'ailleurs jamais dans l'hémicycle. Il y en a quelques-uns qui s'expriment. Et j'ai vu d'ailleurs que le groupe RN est celui qui s'est le plus abstenu, quatre fois plus en moyenne que les autres groupes, sur les scrutins euh, depuis que cette Assemblée, euh, depuis le début de cette euh, législature. Donc je ne suis pas là pour, euh, mon nom de quoi d'ailleurs, arbitrer entre les hommes, je donne simplement un point de vue que j'essaye d'argumenter le mieux possible, de même quand Marine Le Pen prétend que la présidentielle fut l'affrontement d'un bloc populaire et d'un bloc élitaire. Non L'étude du CEVIPOF, 8000 personnes échan interrogées, un échantillon d'une euh, fiabilité très grande, très grande, c'est vraiment l'étude à laquelle on peut faire confiance, qui fait autorité, nous dit qu'au deuxième tour, 34% des électeurs des catégories populaires se sont obtenus. 34%. 31 ont voté Macron, 29 Marine Le Pen. Marine Le Pen n'a donc pas le vote populaire. Deux électeurs populaires sur trois ne vont pas voter pour Marine Le Pen. Surtout beaucoup votent Macron quand même. Comment Oui, et beaucoup votent Macron. Bon, donc, la notion de bloc populaire à travers le critère de vote n'est pas valide. La notion de bloc populaire historique à travers l'analyse qu'en faisait euh, le théoricien marxiste italien Gramsci n'est pas plus valide, dans la mesure où un bloc populaire, la notion que donne Gramsci du bloc populaire historique, c'est un bloc qui porte un projet politique. Je vous ai dit pourquoi le Rassemblement national, aujourd'hui, ne portait plus de projet politique. Donc, ils ont réussi, en partie, à accréditer cette idée d'une division du pays. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve in fine Le Front National, à l'époque de son père, avait pour cadre dirigeant, les trois quarts des cadres dirigeants venaient du RPR et de l'UDF. Le Galou, Blot, Maigret, même le Chevalier, c'était un ancien Giscard d'Arc. Leur programme économique était l'offre la plus libérale qui soit, rigano tatscherienne sur le marché politique. Et on parlait du retour de la bêtise mondiale. Vous voyez, comme les médias sont. Avec les, Le Pen, ont le choix contre la cécité et l'aveuglement. Aujourd'hui, que Marine Le Pen est la dernière à s'accrocher au fétiche marxiste de la lutte des classes, que c'est une stratégie classe contre classe qu'elle nous propose, on lui donne un brevet de démocrate exemplaire. Les médias sont incapables de voir, ils sont à chaque fois, je vous dis, euh, aveuglés. Euh, ça prend une sorte d'asthénie de l'esprit, sont plus capables de réfléchir, de nommer les choses pour ce qu'elles sont et telles qu'elles sont. Et, 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 et on arrive à cette aberration. Et il y a donc là cette espèce de depuis deux mois d'idée que Marine Le Pen va être élue en, en 2027. Mais la première question qu'il faut se poser, c'est pourquoi ces gens qui communient dans une détestation commune. Marine Le Pen et le Rassemblement national nous racontent ce grand récit, parce que c'est leur intérêt, tout simplement, parce qu'ils imaginent, à tort ou à raison, que, je pense par exemple que Mélenchon qui dit même une chèvre serait élue face à euh, Marine Le Pen, c'est peut-être la seule exception où Marine Le Pen pourrait l'emporter, c'est d'être en second tour face à Mélenchon. Mais pour le reste, tous ceux qui nous racontent ce grand récit, ils ont le même intérêt. Ils pensent que Marine Le Pen, pour les raisons sociologiques, euh, que j'ai déjà expliqué dans d'autres interviews, serait la plus facile à battre. Donc ils rêvent de Marine Le Pen en 2027, au deuxième tour. Pour la gauche, pour eux, leur... ils pensent que c'est la seule occasion, la seule... le seul schéma, le seul scénario qui leur permettrait d'accéder de... à la présidence de la République. Donc ces sondages sont contre Macron. Alors que Macron ne sera plus candidat en 2027 ça, et qu'il sera une plus sur le méthodologique, euh, euh, faire un tel sondage, c'est chercher de la communication. Le sondage est en moto un, un outil de communication, d'abord pour l'Institut qui cherche à faire parler de lui, c'est bien naturel. Euh, pourquoi ne pas l'avoir testé face à Giscard Elle aurait fait 120 et on aurait eu encore un résultat plus spectaculaire. Vous voyez, on est dans la communication pure, donc dans la manipulation politique. Donc, on a installé cette idée, ce qui évite d'ailleurs à nos petits camarades qui ne sont pas toujours portés au travail et à la réflexion, vous voyez de qui je parle, de se dire bah finalement on va arriver au pouvoir, les sondages nous le prédisent. En oubliant d'ailleurs que c'était déjà le cas en 2016 où des sondages donnaient Marine Le Pen gagnante 53% face à François Hollande, qu'elle était déjà à 31% au premier tour selon les estimations des, de la plupart des instituts. Oui, l'histoire se répète, mais tout le, monde, tout le monde oublie. et donc, évidemment, on va assister à nouveau pendant quatre ans au grand carnaval antifasciste, dont, dont parlait jospin, qui va complètement stériliser le débat. Et parce que le système est persuadé que marine le pen et sa rente viagère, son assurance vie. Voilà. quant à la politique, bien en france, c'est une question non pas de délégation, mais d'incarnation, c'est notre héritage de la, de la monarchie. De, euh, en France, le, le pouvoir s'incarne à travers un homme ou une femme. Euh, il est certain qu'une des explications à l'abstention massive des catégories populaires, c'est que l'offre politique a baissé de qualité. C'est pas simple. Vous savez, on ne vote pas pour un programme, avec son présidentiel, on vote pour un homme ou, 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 ou pour une femme. Alors, la tentative de de, de Zemmour, pour en dire un mot et pour terminer... Euh, – Surtout que même Marion Maréchal reprend mot pour mot ce que vous dites, en tout cas votre analyse. Bah – Écoutez, elle a le droit. Il a pas des, ce n'est ne pas, pas une analyse pour laquelle je dépose des, des droits d'auteur réservés. Euh, là, euh, moi, ce qui, ce qui me paraît intéressant dans l'attentative Zémour Zemmour, c'est que la campagne Zemmour a servi de brise-glace idéologique. Il a permis de renverser un certain nombre de tabous. Je ne croyais pas je pensais qu'il ne dépasserait pas 5%. Je lui ai dit d'ailleurs, on non pas fâché, mais on s'est éloigné. C'est normal. Il est parti dans cette aventure et je l'ai mis en garde contre les risques. Finalement, il a fait une belle campagne. Il obtient un résultat que moi, je n'espérais pas pour lui. Euh, mais il a du mal à comprendre, et euh, dit, je l'avais cuit pas plus tard qu'hier, euh, que son offre politique était une offre... Trop sophistiqué, trop raffiné pour un électorat populaire. Et par conséquent, nous sommes enfermés dans cette, euh, cette équation apparemment insoluble c'est que la droite a l'électorat bourgeois, euh, conservateur, radicaux, mais n'a pas l'électorat populaire, que Marine Le Pen a encore beaucoup de troupes d'électorat populaire, mais n'a pas l'électorat conservateur. Or, c'est le seul schéma qui permettrait. Aux idées, euh, à nos idées nationales euh, d'arriver au pouvoir. Faire l'alliance des forces conservatrices et d'une partie de l'électorat populaire. C'est celle qu'a fait De Gaulle aux élections municipales de 1947, aux élections législatives de 1958, où De Gaulle, le, le parti de De Gaulle, l'UNR, prend 2 millions de voix au Parti communiste. L'électorat conservateur plus l'électorat populaire. C'est ce que j'ai essayé de faire avec Nicolas Sarkozy, qui a quand même pas trop mal marché en 2017. C'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai cité autant de véhémence, de haine et de persécution par la suite. Hein euh, Jean-Marie Le Pen avait perdu sept points qui avaient été gagnés par le candidat de la droite, mais parce que le, euh, la droite avait fait des, con, des concessions idéologiques importantes. -moi, quand je convainc Nicolas Sarkozy en 2005 d'adopter et de populariser le concept d'identité nationale, c'est une grande victoire idéologique pour la droite. Elle se traduit dans les urnes deux ans plus tard, et elle permet justement de faire la soudure entre ce que Zemmour appelle la bourgeoisie patriote, et l'électorat populaire attaché également à, son, à sa culture, à ses mœurs, à son habitus, à son enracinement. Donc on a effectivement deux offres politiques hémiplégique par la force des choses, celle de, Re, euh, de Reconquête et celle du Rassemblement national. Et évidemment que ça n'augure pas bien de l'avenir, alors que ces idées-là euh, suscitent le consensus dans l'opinion, en ce qui concerne la maîtrise en tout cas des flux migratoires, la restauration des de, de, euh, de services régaliens et d'une autorité régalienne. Eh bien, on a ce paradoxe, c'est que l'offre politique n'arrive pas pour l'instant. Bien pour l'instant, à répondre aux attentes du peuple français. Merci beaucoup, Patrick Buisson, On a passé euh, presque deux heures d'entretien de, qui était euh, qui était dense, mais vraiment vraiment passionnant. Moi, je j'invite nos, nos auditeurs à, à se procurer votre votre ouvrage, qui est très très intéressant, fouillé et en même temps sans leur faire peur qui euh, avec la culture populaire, avec le fait de reprendre un peu des, des émissions, etc. Et très, euh, c est, c est, ça se lit assez facilement et on retient bien, on peut lire les chapitres, on peut en lire un de, de temps en temps, euh, pas forcément dans le, dans, dans le même ordre. Donc c'est vraiment intéressant. J'invite aussi euh, ceux qui nous écoutent à regarder la dernière FAQ qu'on a réalisée sur euh, Livre Noir, qui vous présente nos futurs projets de développement. Euh, donc dans ce cadre, vous retrouverez en descriptif de la vidéo. Euh, différents liens vers des questionnaires parce qu'on essaie de, de rendre Livre Noir un peu plus participatif, euh, on vous présente aussi nos, nos projets de documentaires nationaux, on a lancé justement une grande campagne de financement à ce sujet euh, et notamment une rentrée donc, euh, lors d'un événement autour du thème de l'immigration avec la diffusion d'un documentaire sur l'immigration que je réalise depuis à peu près neuf mois, et donc si vous souhaitez qu'il y ait un maximum de monde pour cet événement, faites le, faites le dire, et, euh, et et on se retrouvera du coup en septembre le prochain. L'entretien, c'est avec Michel Onfray euh, dimanche prochain. Alors, je vous remercie encore Patrick Buisson d'être venu. Euh, J'espère qu'on vous recevra pour un pour un prochain livre. J'imagine que vous que vous allez continuer à écrire. Ben oui, mais je souhaite consacrer le temps libre dont je dispose maintenant à l'écriture et au travail de. De réflexion, l'ouvrage de, de fond demande beaucoup de temps. Alors, quand on est dans le, euh, la trépidation de la, de, la vie, de la vie active, on n'a pas toujours le temps, encore que j'ai pu faire quand même quelques livres avant. J'espère avoir effectivement le sidium près de vie et vu le temps d'écrire encore quelques ouvrages. Et en tout cas, il y en a un autre en, en chantier euh, euh, dont je préfère pour l'instant ne pas parler. Voilà. Très bien, on a hâte de, de découvrir ça. Je vous remercie et je souhaite à tout le monde un excellent dimanche soir. À très bientôt.